La donnée. Le suspect, en état d'ébriété avancée, a tout de même réussi à franchir le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine avant d'être intercepté par la Sûreté du Québec sur la rue Ampère à Boucherville. Des accusations de délit de fuite, de refus de s'arrêter sous l'ordre d'un policier, de conduite dangereuse et de capacité affaiblie ont été déposées contre le suspect, qui a été libéré cependant à la surprise de tous. Oui, on l'a libéré sous promesse de comparaître, mais par contre, de là à être invraisemblable, nous, on fonctionne à l'intérieur des lois. Et l'individu était identifié positivement, on avait une adresse fixe pour l'individu, donc on a libéré l'individu, il a été perquisitionné et il va devoir comparaître en cours le 28 novembre prochain à la Cour municipale de Montréal pour faire face aux accusations dont je vous ai mentionné tantôt. Est-ce qu'un homme qui fonce sur une autopatrouille, qui tente du même coup peut-être de blesser un policier, n'est pas finalement assez dangereux pour qu'on le garde emprisonné jusqu'à la tenue de son procès? On a le droit d'y penser, mais les critères légaux sont tout autres. Benoît Tranchemontagne, TQS, Montréal. On vous le rappelle, c'est confirmé le décès de l'ex-premier ministre, M. Pierre Elliott Trudeau. Évidemment, la vie et la carrière de Pierre Elliott Trudeau a été marquée à l'enseigne de la controverse, bien sûr, mais c'est un personnage immense dans l'histoire politique canadienne. C'est arrivé au cours des dernières minutes, la famille l'a confirmé, et déjà les réactions sont importantes et nombreuses. On se souviendra qu'il y a quelques semaines à peine, il y avait eu une alerte en ce sens, parce qu'un communiqué émis par les enfants de M. Trudeau faisait mention d'un état de santé précaire. Mais quelques heures plus tard, on se révisait et on disait que M. Trudeau se portait mieux. Et on avait vu, effectivement, arriver à son chevet Margaret Sinclair, l'ex-épouse de M. Trudeau, de même que les deux fils de M. Trudeau. Tout le monde disait à ce moment-là que M. Trudeau, depuis la perte de son fils Michel, vous le savez, dans l'Ouest canadien, eh bien, avait été fort secoué et voyait sa santé de plus en plus chancelante. Voici les grandes lignes de la carrière et de la vie de Pierre Trudeau, décédé, je vous le rappelle, il y a quelques instants à peine. Pierre Elliott Trudeau est né à Montréal le 18 octobre 1919, dans une famille très à l'aise. Son père était Québécois francophone et sa mère anglophone d'origine écossaise. À 12 ans, il fait son entrée au Collège Jean Brébeuf, avant de fréquenter l'Université de Montréal, où il a étudié le droit. Il est reçu au barreau en 1944. Il a aussi étudié à Harvard, à la London School of Economics, ainsi qu'à la Sorbonne à Paris. Après ses études, il part à l'aventure et entreprend un voyage autour du monde. À son retour, il a pris part, plus souvent comme observateur, à de nombreux conflits syndicaux, notamment en 1959 lors de la célèbre grève à Radio-Canada, dirigée par Jean Marchand et René Lévesque. Entre-temps, il participe activement à une revue de gauche, Cité Libre. 1959, Maurice Duplessis meurt et quelques mois plus tard, Jean Lesage prend le pouvoir. C'est le début de la Révolution tranquille. De son retour de Chine, Trudeau obtient un poste... Margaret Sinclair qui l'accompagnait, on ne voyait pas très bien au travers les fenêtres. Donc ça, c'est la scène au moment où les médias ont débarqué ici, au 14-18 de l'avenue des Pins à Montréal. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est presque au pied de la montagne, à côté d'une côte, la côte Cedar. C'est l'endroit où, il y a trois semaines, on avait entamé cette vigile, au moment où les fils Trudeau avaient annoncé que leur père n'était pas bien. Trois semaines plus tard, ben, à ce moment-là, les médias, nous sommes arrivés parce que c'était la fin, c'était confirmé, et ça n'a pas pris quelques minutes pour que les premières fleurs arrivent. Il y en a déjà pas mal, des messages, des fleurs, des cadeaux, parce que les voisins, les amis, mais aussi des gens d'un peu partout... Au leadership, il remporte la victoire au quatrième tour de scrutin. Trois jours plus tard, il déclenche des élections générales. Lors des célébrations mouvementées de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, il a refusé de quitter son siège en dépit de la violence. Son image a bénéficié de cet événement, remportant une éclatante victoire. En 1970, un premier test important, la crise d'octobre. En évoquant la loi des mesures de guerre, Trudeau s'est attiré la critique de plusieurs qui estimaient que Trudeau avait agi de façon exagérée. Cela s'est traduit par un mécontentement très concret.
À l'élection de 1972, Trudeau a été reporté au pouvoir avec un gouvernement minoritaire. 18 mois plus tard, son gouvernement est cependant réélu, mais cette fois avec un gouvernement majoritaire. En 1976, le PQ prend le pouvoir et l'étoile de Pierre Trudeau pâlit dangereusement au Canada anglais. Puis, sur le plan personnel, son mariage avec Margaret St. Clair, qui durait depuis 1971, s'effrite. En 1977, il se sépare officiellement. Trudeau obtient la garde de ses trois garçons. Puis, en février 1979, il convoque une conférence fédérale provinciale afin de régler l'épineux problème du rapatriement de la Constitution. Ce fut un dur échec. Quelques mois plus tard, il subit sa première défaite électorale contre les conservateurs de Joe Clark. Le gouvernement Clark est cependant minoritaire. Le 21 novembre 1979, Pierre Trudeau quitte la vie politique afin de se consacrer à la lutte contre le projet de souveraineté association du Parti québécois. Mais les événements en ont voulu autrement. Le 13 décembre, lors d'une des journées les plus mémorables du Parlement canadien, le gouvernement minoritaire de Joe Clark est renversé. Des élections sont annoncées pour le 18 février 1980, pendant qu'au Québec, la campagne référendaire bat son plein. Sans chef, les libéraux sollicitent à nouveau les services de Pierre Elliott Trudeau. Celui-ci accepte et remporte une écrasante victoire. Puis, il s'implique à fond dans la campagne référendaire. Il se sert de tout son poids politique pour influencer les Québécois à voter contre le projet de souveraineté association de René Lévesque. Après la victoire du non, Trudeau convoque les provinces pour une fois de plus tenter de régler le problème constitutionnel. Devant l'obstination du Québec, il décide de frapper en rapatriant unilatéralement la Constitution. Ce geste soulève un tollé. Trudeau est alors contraint d'attendre que la Cour suprême se prononce sur le rapatriement unilatéral de la Constitution. Le plus haut tribunal au pays juge que c'est légal, mais c'est contraire à la tradition constitutionnelle. Trudeau doit donc chercher un compromis avec les provinces, un compromis qui survient le 5 novembre 1981, sans l'accord du Québec, qui a tout perdu dans cette histoire, y compris son droit de veto. Le 17 avril 1982, la nouvelle Constitution est proclamée. Mais il y a un absent de marque, le Québec. À partir de ce moment, c'est le déclin des deux ennemis jurés, René Lévesque et Pierre Trudeau. Le 29 février 1984, Pierre Elliott Trudeau annonce son retrait définitif de la vie politique. Une soirée d'adieu est organisée et Trudeau tire sa révérence pour mener une vie discrète. Il réussit cependant à diviser les troupes libérales en dénonçant l'accord du lac Meech, pourtant appuyé par le chef John Turner. Après l'épisode de Meech, Pierre Trudeau est retourné dans l'anonymat. Le décès de Gérard Pelletier en juin 1997 a cependant montré un autre visage de cet homme reconnu pour exprimer une certaine froideur. Le décès de la deuxième colombe a durement ébranlé l'ex-premier ministre fragilisé par l'âge. C'était un homme d'une très grande sagesse, d'une très grande délicatesse aussi, d'une très grande spiritualité. C'est un peu mon âme qui s'en va, mais qui m'attendra. Il y a 2 ans, son fils Michel a été emporté au fond du lac Kokanee par une avalanche. La perte de son fils, le cadet de la famille, l'a terrassé. On dit que c'est une épreuve dont il s'est peut-être jamais remis. Pierre Elliott Trudeau laisse dans le deuil ses 2 fils. Je vous fais lecture ici du communiqué officiel émis par les fils de M. Trudeau. Justin et Sacha Trudeau ont le regret de vous annoncer le décès de leur père, le très honorable Pierre Elliott Trudeau, à 15h aujourd'hui le 28 septembre 2000. M. Trudeau, en plus de souffrir de la maladie de Parkinson, était atteint d'un cancer de la prostate. Les détails des funérailles vous seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Eh bien, à vrai dire, l'héritage de Pierre Trudeau comprend 2 pierres d'assises importantes. Il a, comme homme politique, marqué fondamentalement l'orientation et le droit de la société canadienne. Parce que, on s'en souviendra peut-être, c'est lui qui a amené la décriminalisation des offenses de caractère moral. Et on se souviendra de sa déclaration où il avait dit « Le gouvernement n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des citoyens canadiens ». C'est le fameux Bill Omnibus. Et l'autre dimension, c'est évidemment la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui est venue modifier l'ensemble de la relation intercitoyen au Canada.
c'est celui qui a été reconnu à travers le monde comme un grand homme d'État, mais qui, chez lui, a toujours fait une carrière entourée et nourrie de la controverse. Isabelle Vachon nous rejoint parce que, Isabelle, vous avez justement un genre de recueil des grandes déclarations et des mots que Pierre Trudeau a pu prononcer durant sa carrière. On sait que Pierre Trudeau maniait le verbe comme pas un. Donc, sa maxime personnelle était la raison avant la passion, et on reconnaît bien l'homme dans cette maxime-là. Vous disiez tantôt, Jean-Luc, que l'État n'avait pas sa place dans les chambres à coucher. Il avait dit ça dans une entrevue en 1967. En 1967 également, une voix dans la foule a crié « Vive la France ». Alors, Trudeau a tout de suite répliqué « Vive la France, si vous voulez, mais vive les Anglais et vive aussi la République des patates frites ». Vivre à côté de vous, c'est comme dormir à côté d'un éléphant. Certains se souviendront de cette citation qu'il avait prononcée alors qu'il faisait un discours à Washington devant le National Press Club. Excusez-moi, Isabelle, on y reviendra. Nous avons en onde, me dit-on, M. Jean Cournoyer. M. Cournoyer, bonjour. Bonjour, monsieur. M. Cournoyer, vous avez été un homme politique, un ministre. Vous avez eu à l'occasion à croiser donc Pierre-Éliott Trudeau du temps où il était actif lui aussi en politique, je présume. Oui, ça m'est arrivé à deux ou trois reprises, mais je l'ai plutôt observé que le rencontré personnellement. La seule fois où j'ai eu vraiment quelque chose avec lui, c'est quand il y avait une grève des débardeurs et que je m'étais, comme ministre du Travail, interposé entre ces débardeurs qui relevaient de la juridiction fédérale et mes travailleurs qui relevaient de ma juridiction. Ouais. Et là, je m'étais fait dire que M. Trudeau ne s'occupait pas des chiures de mouche. Ah, c'était pas un dossier assez important pour qu'il intervienne personnellement. C'est-à-dire donc que je n'étais pas assez important pour qu'il s'occupe de ce que j'avais comme opinion. Ce que vous traduisez là, c'est l'attitude du personnage, Pierre Trudeau. Mais comme observateur, vous, après ça, comme journaliste de la scène politique, quelle est la perception qui vous reste de Trudeau? La mienne, ma perception, c'est que c'est un homme d'État. Malgré ces petites niaiseries, là, qui étaient une caractéristique particulière de M. Trudeau, le restant, la vision qu'il avait de ce pays, qui est le Canada, c'était la sienne, sa vision. Et il en a fait un pays qui était indépendant. En premier, comme je l'écoutais tantôt, la demoiselle qui vous parlait, il a rendu ce pays-là indépendant de la politique américaine. Et par la suite, avec le rapatriement de la Constitution, malgré l'opposition et les objections du Québec, il a quand même créé le Canada d'aujourd'hui, c'est-à-dire il l'a rendu indépendant formellement de l'Angleterre. Et là, ce qui le caractérise davantage, et ce avec quoi vous et moi, comme citoyens ordinaires, avons parfois des difficultés de compréhension des effets. Il a instauré la Charte des droits et libertés, la Charte des libertés individuelles. Et c'est M. Trudeau qui l'a fait, qui l'a imposé à l'ensemble du Canada, qui ne voulait pas nécessairement avoir ça dans la Constitution. Et charte pour laquelle, vous avez raison, on est souvent appelé à avoir certaines critiques, mais qui en même temps laisse toute la marge de manœuvre et de responsabilisation aux citoyens canadiens. Et au gouvernement du Canada, y compris celui qui est à Ottawa, et les 10 autres qui ont l'obligation de suivre cette charte et de conformer les législations qu'ils passent à cette notion de liberté individuelle et de responsabilité collective. Moi, je pense que c'est cette charte-là qui fait de Trudeau un homme d'État. Et remarquez, je me souviens, les grandes discussions qu'on a eues sur la charte, on avait déjà passé la nôtre au Québec ici, puis on disait on en a une dans notre législation. Ouais. Sauf que c'est mauditement plus facile de passer à côté d'une loi que de passer à côté d'une constitution. D'une constitution canadienne et d'un pays. Merci beaucoup, M. Cournoyer. Ça fait plaisir. Merci de votre témoignage. Au revoir. Merci bien. Au revoir. C'était Jean Cournoyer, ex-ministre du Travail sous le gouvernement libéral. Il fut également politicien sous la coupe de l'Union nationale. Et vous l'avez connu, évidemment, comme commentateur et analyste sur les ondes de CKC Télémédia. Isabelle, excusez-moi, je reviens à vous. Donc, pour revenir à ce personnage Trudeau, qui avait toujours des phrases sanglantes, bien senties et très résumées, très chargées. Très résumées. Et déjà en 1965, il annonçait ses couleurs lorsque Pierre-Éliott Trudeau disait « Je suis opposé au nationalisme sur toutes ses formes, qu'il soit canadien, français, juif, irlandais ou tout autre. »
sont mangés de la marde, qui avait surpris plusieurs personnes. On ne s'attendait pas à ce qu'un chef d'État lance une phrase comme celle-là. C'était en 1970, il avait lancé son « manger de la marde » à des grévistes. Le « Just watch me », plusieurs s'en souviennent, « Regardez-moi bien aller ». On lui posait la question, on lui demandait qu'est-ce qu'il allait faire. On était en 1970, on était en pleine crise d'octobre. Il avait lancé cette phrase-là et les gens étaient restés très, très surpris. Et justement, tout le monde s'était mis à le regarder, qu'est-ce qu'il allait faire, quelles mesures extraordinaires il allait prendre en 1970. Son fameux « Fuddle Doddle », vous savez un peu ce que ça veut dire, c'était en 1971 et ça avait surpris encore plusieurs personnes. Il avait justement ce paradoxe des grands hommes, parce qu'il pouvait être aussi bien cabotin. On se souviendra de certaines scènes au moment où il y avait eu le rapatriement de la Constitution. Il était au palais de Buckingham, en Angleterre, et au moment où il a tourné le dos à la reine, il a fait une pirouette qui avait fait, je pense, le tour du monde dans les bulletins de nouvelles. Merci Isabelle, on se retrouve probablement un peu plus tard. Je vous le rappelle donc, si vous venez de vous joindre à nous, que l'ex-premier ministre du Canada, le très honorable Pierre-Éliott Trudeau, est décédé à 15 heures cet après-midi. Ça a été confirmé par un communiqué émis par les fils de M. Trudeau. Il serait mort à sa résidence. Nous en saurons un peu plus sur les détails des funérailles un peu plus tard. On s'arrête pour une courte pause, on est obligé de le faire, et on revient avec d'autres informations, d'autres commentaires sur cette disparition, je vous le rappelle, de M. Pierre-Éliott Trudeau à l'âge de 80 ans. Et maintenant, pour ce superbe Vermeer, combien offrez-vous, s'il vous plaît? 2 billets! Ben... 1 million d'abord. Vous savez, on s'habitue à être multimillionnaire. Vous savez, on s'habitue à être multimillionnaire. Caroline, que penses-tu de ton nouveau système statique de Pledge? Pas mal chouette et facile à assembler. Statique de Pledge attrape et retient vraiment la saleté. Tiens, j'ai jamais réussi à passer en dessous. Oh, que c'est gênant! Ouais, j'ai en plein la place pour ça. J'enlève des toiles d'araignée que j'ai jamais, jamais, jamais pu attraper. Je viens de passer l'aspirateur et il reste encore des trucs. 3 filles dans la maison, ça en fait des cheveux. Je les ramasse, puis ils restent collés. On enlève et on jette quand c'est terminé. De SC Johnson, une entreprise familiale. Attention, mesdames et messieurs. Du 26 septembre au 15 octobre, c'est le grand événement Québec en vitrine. Les produits québécois sont à l'honneur. Ils sont vraiment superbes et d'excellente qualité. Vous ne pouvez pas les manquer. Ils sont partout. Passez pas à côté. Pis, c'était correct? Très, très bon. On la refait tout de suite. Ah, ouais? Ouais, mets-toi plus dans la peau du personnage, OK? Le bistro-bar Orange Kaki. L'expérience totale. Prenez votre envol vers un monde de saveurs. Dans un décor en constante évolution. Un univers sensoriel battant au rythme de l'ambiance Orange Kaki. Laissez-vous envoûter par la couleur d'une cuisine internationale. Arrêtez le temps. Soyez captifs d'un moment privilégié. Ne laissez pas passer la chance d'atterrir dans un endroit unique. Le bistro-bar Orange Kaki. Avez-vous parfois l'impression d'être un peu perdu dans le monde de l'assurance-vie? Un monde où les produits mal adaptés peuvent causer bien des surprises. Votre caisse Desjardins vous offre maintenant les services d'un expert conseil de l'assurance-vie Desjardins Laurentienne, un spécialiste capable de vous aider à mieux y voir dans le monde de l'assurance de personne. Pour une solution sur mesure en matière de protection, c'est maintenant à votre caisse Desjardins qu'il faut aller. Il y a des endroits dont on se rappelle toujours. Le Penma, plus qu'un restaurant, une page de notre histoire. Au fil des ans, des gens de partout ont goûté au charme de son ambiance unique et chaleureuse. Le Penma, une renommée d'excellence avec ses spécialités gastronomiques qui font le bonheur de tous les palais. Le Penma, l'endroit parfait pour célébrer les événements spéciaux ou tout simplement pour terminer la soirée entre amis. Le Penma, le Cap de la Madeleine, une tradition d'excellence depuis plus de 50 ans. Au bas prix. Je vous rappelle le décès de M. Pierre-Éliott Trudeau, ex-premier ministre du Canada. Ça s'est produit cet après-midi en sa résidence à 15 heures. C'est ce que confirme un communiqué émis par les fils de M. Trudeau. Un héritage immense, mais à l'enseigne de la controverse, tel est le personnage et la carrière politique
qui a mené M. Trudeau tout au long de sa carrière. Nous allons rejoindre, si vous le voulez bien, l'ex-président et éditeur de la presse, M. Roger Deslandry. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir, Jean-Luc. Comment allez-vous? Bien, merci. Vos premiers commentaires, vos premières réactions, M. Landry, vous qui l'avez connu, mais de très près. Oui, bien, je l'ai connu parce que en 1972, lors de la campagne électorale, j'avais remplacé Pilvé, son secrétaire de presse, qui avait eu un accident. Et c'est là que j'ai connu le plus intimement. Et ensuite de ça, ben j'ai vu évidemment sa carrière se poursuivre, etc. Comme vous l'avez si bien dit, j'aimerais être capable de l'exprimer aussi bien que vous. C'était une carrière remplie de hauts et de bas, mais remplie aussi de frasques inattendues. Oui, bien sûr. Dites-moi, M. Landry, comme vous, éditeur d'un quotidien aussi important et incarnant et représentant le fait francophone chez nous au Québec, comment vous avez perçu comme éditeur le cheminement de l'homme politique au fédéral? Ben d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est, de base, Pierre-Éliott Trudeau était un homme d'une rigueur exceptionnelle, d'un intellect rare et d'une formation académique qui dépasse. Écoutez, il a commencé à travailler quand il avait 48 ans. Ouais. Je veux dire, ça prépare un gars à être plus intellectuel que nécessaire, tu sais. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est un gars aussi qui avait... au-delà de tout ça, il était un homme très, très, très brillant et qui a osé. C'est un gars qui a osé. Moi, si on me demandait de définir, c'est un gars qui a osé. Il a osé avec le Bill Omnibus, il a osé avec bien des choses. Qui, à ce moment-là, aujourd'hui, on trouve ça très, très correct, si on veut, ou très, très normal. Normal et courant, et absolument. Mais à l'époque, à ces années-là, c'était vraiment de l'audace. Ah, c'était de l'audace et c'était, comme je vous dis, c'était un peu d'affronter... si vous voulez, des penseurs qui étaient plutôt, disons, conservateurs tout en étant libéral, si vous comprenez. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'était un peu ça, tu sais. Il avait une arrogance que certains interprétant comme étant du mépris, mais c'était plutôt une volonté d'aller de l'avant, peu importe l'argumentaire qu'il pouvait soulever. Oui, mais il y avait, c'était un bon point, c'est une simple et bonne question. D'ailleurs, la plupart de vos questions sont très bonnes. Mais celle-là, elle est bien parce que ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y avait du mépris. On peut pas éliminer ce côté-là. C'est un gars qui était d'une arrogance et qui était méprisant pour ce qu'il ne croyait pas, lui, que être les autres comprenaient. La voix et la vérité. Oui, c'est ça, exactement. M. Landry, on aura certainement l'occasion de se revoir, de se recroiser, peut-être un peu plus tard dans quelques jours. Sûrement. Toujours agréable de vous parler, Jean-Luc. Merci, M. Landry. Au revoir. Au revoir. On s'arrête pour une pause. C'était M. Roger Deslandry, ex-président et éditeur du quotidien La Presse. Avez-vous parfois l'impression d'être un peu perdu? Politique, très médiatisé, dont on avait l'impression qu'on connaissait toutes les facettes. Et malheureusement, on en connaissait très peu. Et je vais vous lire deux petits bouts d'articles que j'ai lus ce matin dans la presse, et je vais rendre à César ce qui revient à César. Je vais vous nommer les auteurs de ces lignes-là, parce que ça représente ce que je pense de M. Trudeau. Il y a Lisiane Gagnon qui dit « Ce mondain détestait les mondanités. Ce formidable orateur était un timide. Ce fonceur capable d'arrogance et de cruauté était un homme hypersensible. Ce personnage hypermédiatisé qui fut à la fois l'esclave et l'otage des médias, leur manipulateur et leur victime, était solitaire et réservé. Son regard de sphinx constituant contre l'intrus le plus efficace des barrages. » Ça, c'est dit par une journaliste, Lisiane Gagnon, et une Madame Tout-le-Monde, Madame Campanelli, qui était une partisane de M. Trudeau et du Parti libéral, bien sûr, qui l'a un jour approché, dit de lui, « Ses yeux si magnifiques vous pénétraient. On aurait dit qu'il pouvait lire en vous. » Et moi, c'est ce qui m'a dérangé le plus dans mes rencontres avec M. Trudeau, parce que, politiquement, on était à l'opposé, lui et moi. Il le savait et j'avais l'impression que ses yeux me le disaient à chaque fois qu'on se rencontrait. Alors, je vous présente deux personnes qui sont avec moi aujourd'hui, qui l'ont connu dans des petits bouts d'intimité. D'abord, Christine Olivier. Bonjour, Christine. Bonjour, Louise. Christine, qui est comédienne, auteure, qu'on voit malheureusement trop peu sur les scènes et à l'écran. C'est-à-dire, je t'arrête tout de suite, auteure, non.
Un tout petit peu, t'as écrit à un moment donné. Non. Oui. Non. J'étais sûre d'avoir lu des choses non, de toi. Non, puis c'est pas la première personne qui me dit ça. Non, mais je pense que je vais me mettre à écrire. Peut-être que tu l'as fait dans une autre vie, puis tu t'en rappelles pas. Ça se peut. Et ce que j'ai dû dire, c'est peut-être que j'avais l'intention de le faire, puis ça a passé pour... Pour du vrai. Il y en a même qui pensent que j'ai écrit Les enfants de Jocasse, alors que c'est Christiane Olivier qui est française, psychanalyste. Tu vois, des fois, alors, les gens se mélangent. Voilà. Et notre autre invité, Jean-Claude Poitras. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, un de nos designers les plus réputés ici et ailleurs, qui a également eu l'occasion de rencontrer M. Trudeau. Dans quelles circonstances, Jean-Claude? Ben, c'est très drôle parce que la toute première fois, c'était, vous savez, à l'époque, je produisais des collections à Hong Kong, on remonte à il y a 10 ans. Et je rentrais de ce voyage de Hong Kong complètement crevé et tout, et bon, le vol faisait escale à Vancouver, on devait changer de vol et tout. Et c'était le dernier vol qui rentrait sur Montréal, il était complètement vide, et là, les agents de bord sont venus me chercher en me disant, « Monsieur Poitras, vous êtes tellement crevé, venez avec nous, on va vous amener en classe affaires. » Et tout à coup, j'étais là seul, et il y a tout à coup M. Trudeau qui entre avec ses 3 fils, qui rentraient, semble-t-il, de vacances. Et donc, on était seul dans cette cabine-là, donc, en cabine à faire. Et puis moi, j'étais tellement intimidé par le personnage et tout ça, évidemment. Mais là, tout à coup, au fil, plus le voyage se déroulait, plus j'étais fasciné, je le regardais de côté, parce que j'étais juste dans la rangée derrière. Et je le voyais d'une tendresse invraisemblable avec ses fils, et je me disais, mais ah, c'est un personnage qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Et je me suis dit, mais c'est le père dont tous les fils auraient finalement voulu avoir rêvé. Et j'ai vu là un homme d'une tendresse incroyable, moi qui le croyais lointain et tout ça, mais j'ai aussi découvert un être totalement solidaire, et moi, avec ma grande timidité, jamais j'aurais osé l'approcher. Et c'est lorsque je suis allé dans l'allée pour aller aux toilettes, et lorsque je suis revenu, il m'a accroché comme ça, il m'a dit, « Monsieur Poitras, c'est très beau ce que vous faites. » Alors là, j'ai de dit, « Ah bon. À lui. Alors, il me dit, vous savez que j'ai un très, très beau manteau de vous et tout. Alors là, bon, on a un peu lié contact et ça a été très, très, très chaleureux, tout à fait l'opposé de ce que j'aurais pu croire. Et moi, je déplore ce fait que les médias nous l'ont fait percevoir toujours comme un être intransigeant et dur et tout. Et moi, je venais de découvrir un être absolument d'une bonté, d'une douceur, pudique et solitaire tout à la fois. Christine, vous avez eu l'occasion, on appelle ça sortir avec M. Trudeau, sortir, parce que vous l'avez accompagné dans la vie pendant absolument. J'ai fait partie, mettons que j'ai fait partie de sa vie publique, parce que c'est sûr qu'il était redevenu célibataire. Bon, il se faisait accompagner d'actrices et de belles femmes, ça c'était important. En général, oui. Et je l'ai rencontré à l'ambassade de France à Ottawa au moment d'un dîner en l'honneur d'Edwige Feuillère et Guy Trégent qui est en tournée canadienne. Et c'est Françoise Fauché qui avait fait un casting, si l'on veut, de quelques des actrices. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Nos regards se sont croisés à table. Nous n'étions pas à la même table. Ça aidait parce que je pense qu'on ne se serait pas vus si on avait été côte à côte. Et alors, à un moment donné, quelqu'un est venu me dire « Est-ce que vous connaissez M. Trudeau ?» J'ai dit « Je n'ai pas eu cet honneur. » Et cet homme-là dit « En tout cas, si vous ne l'aviez pas vu, lui, il vous a vu. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Après le repas... il est venu me trouver et tous les gens qui l'entouraient ont fait la place nette, sont disparus et nous ont laissés seuls. Et voilà. Et ben... Alors voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a invité... Quand arrive le premier vrai téléphone, là on se rend compte publiquement, c'est facile. Oui. Mais quand vient le téléphone, le téléphone, Trudeau vous appelle pour sortir, comment on se sent? Je vais vous faire rire avec ça parce que c'est complètement fou. C'est qu'au départ, là-bas, à l'ambassade, il m'avait invité à la chambre pour aller voir l'Assemblée, tout ça. Et coquette comme je suis, je voulais tellement pas qu'il pense que je saute sur l'occasion parce qu'il est le premier ministre, quoique son approche n'était pas prétentieuse, pas du tout, au contraire, très, très simple, mais mon orgueil de femme. Je me suis dit, s'il veut vraiment me connaître, il va devoir faire comme les autres,
courir un petit peu, mais me chasser. Alors, mais c'est dur, parce que c'est un risque. Oui. Alors, je l'ai risqué. Un mois après, le téléphone sonne chez moi. C'est complètement fou. Et le temps avait passé, je me suis dit, peut-être qu'il t'appellera jamais. Et j'entends Christine, oui, c'est Pierre Trudeau. Et comme ça ne sonnait pas du tout comme Pierre Trudeau, la voix, la façon de parler, j'ai cru que parce que j'avais raconté ça à des gens, que c'est quelqu'un qui me jouait un tour. Alors je dis, si c'est une farce, là, elle n'est pas drôle. Et j'ai le silence au bout du fil. Et là, tu as réalisé que... J'ai dit, je m'excuse, mais en disant ça, je me trouvais en même temps à avouer avoir raconté à des gens, je l'avais rencontré. Alors là, ça a été une leçon, alors bon. Ça a été plus calme. Oui. On continue la narration de tout ça tout à l'heure. D'accord. Il y a un autre invité qui va se joindre à nous, Guy Fournier, pour ne pas le nommer, ce qui va me permettre de vous raconter une petite anecdote personnelle fort amusante, vous allez voir. Et Guy Fournier l'a connu, c'est un ami. On poursuit la conversation, on se retrouve après la pause. OK, gars, ça marche, la banque embarque. OK, on fait quoi? C'est simple, les clients qui viennent pour un auto usagé, là, ils commencent à payer en mars 2000. Tout ça marche. C'est bête à dire, mais les enfants ont besoin de calcium, comme tout le monde. Eh ben, tant mieux, il y a les nouveaux Yoplait Tube. Yoplait Tube, ça, c'est un yogourt portable qui... Toutes les semaines ou à l'occasion, prenez congé des tâches ménagères. Vous le méritez bien. Les entreprises accréditées en aide domestique, Shawinigan, Saint-Tech, Louisville, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Trois-Rivières. Hey, mais, chérie, c'est moi. Écoute, je pourrais pas manger à la maison ce soir. Je suis au restaurant avec des clients. Très important. Quel restaurant? Le Buffet du Sieur. 150 plats chauds et froids. Crevettes, cuisses de grenouille, rose beef, gigot d'agneau et un immense choix de desserts. Seulement 15,95 pour deux du lundi au jeudi. Oui, ma chérie, un gros meeting super important. Tu sais ce que c'est, hein, les affaires. Ouais, méchant meeting. Jeune veuf cherche gouvernante pour sa fillette. Pourra-t-il trouver la perle rare? Et Whoopi s'amène. Salut Paulette, moi je m'appelle Corinna. Elle n'a pas... Non, c'est juste un peu... Vous savez conduire? Toutes les qualités. Il va falloir qu'on trouve une façon de communiquer. Mais elle saura conquérir le cœur de la petite Molly. Corinna, avec Ray Liotta et Whoopi Goldberg, ce samedi 18h30 à TQS. Non! Quel est l'homme qui se cachait derrière l'homme public qui était M. Pierre Trudeau? On parle avec Daniel Ouimet qui est en ligne quelque part dans le monde. Bonjour Daniel. Je suis à Québec. Bonjour Louise. Bonjour. C'est gentil de nous téléphoner, Daniel. Rapidement, qu'est-ce qui était séduisant pour toi chez M. Trudeau? Oh, absolument tout. Vous savez, pour moi, c'est un peu particulier parce que M. Trudeau a été élu la même année qu'est sortie Valérie. L'année d'après, l'initiation sortait, je l'invitais, je lui envoyais une lettre. Tous les rêves étaient permis à cette époque, on voyait sa grande ouverture. Donc là, tu parles bien du grand rêve de sortir avec lui. C'est-à-dire d'au moins l'avoir pour cette ouverture-là. D'accord. Et puis, effectivement, c'est ça, je pense, qui était le plus sensationnel chez lui. C'était cette espèce d'ouverture, cette espèce d'accessibilité qu'il nous donnait, cette envie de le connaître davantage. Et effectivement, j'ai eu, comme bien des femmes du Québec, cette envie de le voir plus et de le rencontrer. Et j'ai eu cette chance-là. Et est-ce que dans l'intimité, il était plus ouvert sur sa vie privée qu'il ne l'était en public, parce qu'on connaît très peu de ça. Pas du tout. Il ne l'était pas,
C'était un être qui aimait beaucoup te faire parler. Entre autres, j'ai passé des soirées à Sussex Drive à manger avec lui, où il s'inquiétait beaucoup de tout ce qui nous arrivait à nous, mais très peu à lui. Il n'aimait pas répondre à ce genre de questions-là. Mais c'était un être très attentionné. C'était un être qui aimait beaucoup répondre lorsqu'on lui posait des questions. Qui parlait beaucoup moins qu'il ne laissait parler les autres. En fait, si je peux résumer, je peux vous dire qu'à un moment donné, je lui ai dit « Mais Pierre, il faudrait que vous écriviez vos mémoires. » Il a dit « Jamais. » Et il me dit, mais je lui ai dit « Mais pourquoi vous voulez pas ?» Il me dit « Ça n'a pas d'importance. » Et j'ai réussi à le faire réfléchir sur une seule chose. Je lui ai dit « Écoutez, vous savez, vous avez vécu une vie politique très intense. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais j'ai dit, il faudra un jour dire merci à tous ceux qui vous ont suivi. Et peut-être qu'en expliquant les choses, ça leur ferait un velours. Et là, il a été, je dois vous avouer, il s'est mis à me fixer. Il a eu son petit sourire énigmatique, comme à l'habitude. Puis il a dit, peut-être, vous avez probablement raison. Et c'est ça. Et ce que je trouvais dommage, c'est que il avait effectivement une vie publique intense, mais il avait aussi des tâches reliées à cette vie publique qui étaient épouvantables. Moi, je me souviens, lorsqu'on mangeait dans sa salle à dîner, il était 7 heures le soir, il y avait une journée magnifique à l'extérieur, et il fallait qu'il garde les rideaux du salon fermés. Et lorsque je lui disais, mais pourquoi vous fermez les rideaux? Il fait si beau dehors et ça, votre salle à manger donne sur le jardin, ce serait très beau. Il m'a dit, c'est à cause des tireurs solitaires, il se pourrait qu'on me prenne pour cible. Alors je suis obligée de fermer les rideaux. Donc ça limite beaucoup une vie, ça. Ben écoutez, ça peut pas faire autrement que de changer une vie. Il essayait de faire ça le plus naturel possible. Je me souviens qu'il se débarrassait de tout son personnel à une certaine heure dans la maison. Il n'y avait que l'extérieur qui était protégé. Et les enfants venaient le voir pour aller corriger leurs devoirs. Alors, il gardait cette espèce d'esprit familial très intense à l'intérieur de la maison. Mais à l'extérieur, c'était autre chose. On le disait arrogant. Moi, je vous dirais plutôt que c'est un homme qui disait tout de suite ce qui n'allait pas. Il y en a beaucoup qui essaient de le coincer en public et il répondait très bêtement parce qu'il disait, ben, tu me pogneras pas. Tu me pogneras pas. Et c'était un être très humain à ce niveau-là. Maintenant, pour l'homme politique, l'avenir nous le dira si ça a été bon ou pas. Pour l'instant, il y a des pour et des contre, mais c'est pas ça, moi, que j'aime regarder quand je pense à lui. Merci beaucoup, Danielle Ouimet. Merci infiniment. Bonne conférence de presse. Merci. Guy Fournier, bonjour. Bonjour. Guy Fournier, Pierre Trudeau, c'était un ami. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je l'ai connu. Qu'est-ce qui le rendait si attirant? Moi, je pense que au départ, c'est son intelligence. C'est sûrement l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré, largement le plus intelligent que j'ai rencontré. C'est le seul homme qui met dans ma vie vraiment impressionné, peut-être avec le général de Gaulle que j'avais rencontré 2 fois, mais dans des circonstances pas privées. Je dois dire que Pierre m'a toujours impressionné par son intelligence, m'a toujours impressionné par sa culture, et m'a toujours impressionné aussi par sa délicatesse, ce qui n'était pas le lot de tous les premiers ministres, et ce qui n'est pas le lot de tous les hommes politiques. Mais c'est un homme, et tu le sais toi-même, d'une extrême délicatesse. J'avais dit aux gens que j'allais raconter un petit événement privé qui s'était passé chez nous. Pas celui auquel je passe avec la chinoise, la pianiste? Non, ah. Pas celui-là. Un événement on qui peut me... On pas raconter celui-là. Ben, je considère qu'elle n'est pas là, donc on ne le racontera pas. Mais un qui me concerne, moi, la première fois qu'il avait mangé à la maison, tous les gens sont là, il y a une dizaine d'invités, je suis à la cuisine en train de préparer le repas, Guy est avec les invités et tout à coup, il entre dans la cuisine. Et moi, c'était la première fois que je le rencontrais vraiment, pas dans un endroit public, mais dans un endroit privé et seul à seul. Alors, il y a comme une petite raideur qui s'est installée dans mon dos, compte tenu de ce que j'expliquais tantôt, nos divergences politiques. Je me suis dit, est-ce qu'il vient me parler de ça? Et là, il s'est appuyé à côté de la cuisinière, puis il m'a dit, Louise, cette cuisinière-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, je l'ai regardée, j'ai dit, cette cuisinière-là, vous voulez dire... Le fourneau, la plaque, les deux. Parce qu'il dit, moi, vous savez, je suis en train d'aménager ma maison dans les Laurentides. Puis ça me tente beaucoup, ce genre de cuisinière-là. Vous allez me parler de ses caractéristiques. Alors, j'étais là dans la cuisine en train d'expliquer comment une cuisinière fonctionnait à Pierre Trudeau. Puis dans ma tête, il y avait toute la machine qui fonctionnait. Je me dis, je ne peux pas raconter ça aux gens parce que c'est trop ridicule, ça n'a aucun bon sens. Alors, je lui dis, est-ce que vous cuisinez? Il m'a dit, pas du tout.
Je fais des œufs le matin, je me fais mes toasts, mais il faisait très peu de choses. Mais il dit, si cette cuisinière-là fait beaucoup de choses, je vais peut-être apprendre à cuisiner. Et on avait là de viser pendant quelques minutes de la cuisinière. Et après, je me disais, si je retournais dans le salon et je disais à tous les gens qui étaient là, dont certains étaient un peu guindés, qu'on vient de parler cuisinière avec M. Trudeau, je trouvais ça tout à fait charmant oui, qu'il ait ce genre de, d'attitude. Typique de Pierre, parce que une chose que les gens ignorent, c'est que Pierre était non seulement d'une grande intelligence, d'une grande culture, mais il avait, sur les choses quotidiennes de la vie, une ignorance, mais une ignorance telle que ça en était, tu avais l'impression d'un gars total. Si tu lui avais parlé uniquement des choses quotidiennes, tu aurais dit, ce gars-là, il est con. J'ai vu Christine faire ça, c'est juste. C'est parce que je pensais que tu allais parler dans les choses quotidiennes, il était raffiné. Alors tu vois, comme on ne parlait pas de la même chose. Il était, c'est un être très raffiné, en tout, c'est un prince. Mais dans les choses quotidiennes, là, un exemple. Ce que je veux dire, là, c'est des détails que tu sais, du ménage, le coût. Le prix des aliments, tu comprends, il pouvait aussi bien te demander... Comment ça se vend, le livre de beurre, Guy? C'est le genre de question qu'il pouvait te poser. Guy, si j'étais à sa place, je ne le saurais pas non plus comment ça coûte un livre de beurre. Je veux dire. On est obligé d'aller à une pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après. Je dis au gouvernement québécois que notre porte n'est pas fermée. Dragon Ball Z, la saga continue, la terreur cosmique s'étend sans cesse. Toi et tes amis, vous êtes les seuls espoirs de la Terre. Les pouvoirs Super Saiyan de Goku et de Trunks seront-ils suffisants cette fois? Gohan est en péril, jusqu'à ce que l'équipe Dragon Ball Z se joigne à la bataille. Attention, voici le méchant Frieza. La Terre est en danger. Tes amis devront livrer la bataille de leur vie. Et tu ne les laisserais pas tomber. Le sort du monde est entre tes mains. Chaque figurine vendue séparément. Voici le lave-vaisselle Profil de GE et Cascade Complete. Deux technologies révolutionnaires qui vous aident à dire bye-bye au pré-rinçage de votre vaisselle. Voici le nouveau Bounty dans une boîte. La boîte paraît bien n'importe où, alors vous pouvez en mettre là où vous en avez vraiment besoin, soit à peu près partout. Le nouveau Bounty dans une boîte, c'est Bounty dans une boîte. Bonjour. Bonjour! Êtes-vous prête à partir? Parce que là, je vous parle du méga concours TQS DJ Twatters. Il y a plus de 10 super prêtes à partir d'une semaine en République dominicaine, tout inclus à gagner. Il suffit de noter deux indices visuels sur nos ondes, puis s'inscrire au 1-900-630-2323. Vous pourriez être convié au méga party le 20 octobre prochain qui déterminera les gagnants. Avez-vous hâte de les connaître? Oui! Hey! Oubliez surtout pas vos valises! D'extra avec la nouvelle Rio de Kia, c'est qu'elle offre tout ce que vous désirez d'une voiture. Tout en vous laissant assez d'argent pour tous ces autres petits détails de la vie, nourriture, vêtements, maison. La nouvelle Rio de Kia, moins de 12 000 $. Plus c'est mieux que ce que vous espériez. Enfin, la qualité accessible à tous. Attention, mesdames et messieurs. Du 26 septembre au 15 octobre, c'est le grand événement Québec en vitrine. Les produits québécois sont à l'honneur. Ils sont vraiment superbes et d'excellente qualité. Vous ne pouvez pas les manquer. Ils sont partout. Passez pas à côté. Puis, c'était correct? Très, très bon. On la refait tout de suite. Ah, ouais? Ouais, mets-toi plus dans la peau du personnage, OK? OK. Est-ce que vous savez qui était l'homme qui se cachait derrière l'homme public qui était Pierre Elliott Trudeau? On va parler maintenant avec un homme qui a fait sa marque dans les médias au Québec et partout à travers le Canada, qui maintenant s'occupe d'œuvres humanitaires et qui était un ami d'enfance de M. Trudeau. Philippe de Gaspé-Beaubien, bonjour. Bonjour, Mme Deschâtelet. Vous avez connu M. Trudeau, petit garçon, je crois. Ah ben, petit garçon, non, parce qu'il y avait 10 ans de différence entre nous deux, mais je l'ai connu très jeune parce que j'étais son voisin d'à côté. D'accord. Nous habitions sur la rue Mécolac,
l'un côté de l'autre. Et 10 ans, ça compte dans ce temps-là. Il était plus âgé que moi. D'accord. Et est-ce que vous pouviez déjà percevoir à cette époque-là l'homme qu'il allait devenir? Est-ce que c'était un meneur de gang, un meneur de troupe dans le coin? Est-ce que c'était quelqu'un de flamboyant comme il l'a été pendant sa carrière politique? Non, du tout. Il était comment? Il était tranquille, il était seul, solitaire. Il travaillait souvent tout seul. Il étudiait souvent. Il aimait les sports. Ah, mais c'était pas une personne qui travaillait en équipe, quoiqu'il avait quelques amis assez proches de lui. Mm-hmm. Il a fondé, un des fondateurs de Cité Libre, qui a été fait sur son balcon. Et comme jeune homme, moi, je circulais, je les voyais travailler le dimanche ensemble. Mm-hmm. C'était une personnalité très forte, indépendante. C'était un homme très accompli, à mon sens. Oui. Quand vous l'avez vu par la suite poursuivre sa carrière politique, vous qui l'aviez connu comme ça et qui le décrivez très bien, il est resté comme ça fondamentalement, tel qu'il était au départ. Oui, quoi qu'il a fait équipe à ce moment-là, il s'est entouré de gens, ils sont allés ensemble comme équipe, et je pense que c'était un des éléments qui a présidé à son succès. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il a élargi son horizon de relation avec les gens. Il a travaillé en équipe. Il faisait très bien. Il voulait souvent le consensus. Oui, je pense que Guy Fournier a quelque chose à vous demander. Philippe, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai toujours eu l'impression que Pierre, au moment où il était premier ministre, c'est vrai qu'il faisait équipe, mais il s'intéressait... Il y a des choses qui ne l'intéressaient pas du tout. Donc, il laissait beaucoup de marge de manœuvre à ses ministres, mais les choses qui l'intéressaient, il s'en préoccupait bien davantage. Mais il y avait beaucoup de choses qui ne l'intéressaient pas dans les affaires publiques. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, surtout dans les affaires. C'était pas un homme d'affaires, tu sais. Il déléguait aux autres cette responsabilité-là. C'est vrai, mais il a su s'entourer de bonnes personnes. Il leur déléguait pas mal. Ces gens-là, je me souviens une fois avoir été un petit déjeuner chez lui. On était lui tout seul à Sussex House. Il attendait un appel de Jean Chrétien qui était en Europe. Il dit, excuse-moi, je veux juste parler à Jean sur cet élément-là. Les gens avaient beaucoup de respect pour lui et vérifiaient avec lui avant de prendre des décisions importantes. D'accord. Il restait le maître des destinées du pays. Il y a tous les ministres que je sache, ou à peu près, l'appelaient M. Trudeau. Il le vous voyait. Il n'y a personne, à part Jean Marchand puis Gérard Pelletier, que je sache. Peut-être Marc Lalonde, mais tous les autres l'appelaient monsieur et le vous voyaient. Excuse-moi, Guy, mais je pense d'ailleurs que... Il ne devait pas faire de confidences politiques à personne. Moi, je pense que s'il faisait des confidences en politique, ça devait être à Marc Lalonde. Et ça, je crois que c'est... Oh non, même avec Marc, j'en ai parlé avec Marc. Ah oui? C'était un individu qui avait sa propre vie. Il avait très peu d'amis. Il avait beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis à qui il parlait. Mm-hmm. C'était une personne qui se recueillait seule, souvent. Oui. Eh bien, vous nous amenez sur le terrain du recueillement, M. de Gaspé-Beaubien. Merci beaucoup de votre intervention ce matin. Au plaisir. J'aimerais ça aller sur le terrain du recueillement. J'ai toujours eu l'impression, même en le connaissant, mais très peu, que c'était quelqu'un pour qui la réflexion était beaucoup plus importante que l'action ou que l'activité comme telle. Il faut dire que Pierre était très croyant, ça. Il avait la foi. Et je pense qu'il était toujours un petit peu agacé de pas toujours avoir une vie qui était conforme avec la foi qu'il avait. Mmh. Et je pense que ça l'a toujours agacé. On en a parlé deux ou trois fois. J'essayais de savoir comment il conciliait certains aspects de sa vie avec sa foi catholique. Il a toujours été un petit peu évasif là-dessus, puis il m'a toujours fait un sourire comme s'il disait « Quand ça sera le temps, je m'arrangerai bien avec ça. » Avec j'ai le vu, bon Dieu! J'ai vu qu'il avait arrangé ça avec Benoît Lacroix, qui est un prêtre formidable. Alors, à partir de ça, j'ai aucune crainte. S'il y a quelque chose. Parce que Benoît Lacroix a des bonnes relations avec... On va essayer de ça. C'était étonnant de voir tout son côté, par exemple, Jet Set, à un moment donné, qui a explosé. Est-ce qu'on le percevait comme ça lorsqu'il était très jeune? Oui, parce que, tu sais, si je me rappelle le moment où je l'ai connu, qui s'est en déporté vers la fin des années 50,
il était, Pierre était à la fois très secret et très cabotin. Mm. Alors, à partir, il avait une certaine vanité, tu sais, comme, je pense que quand j'allais chercher chez Lynn Blakey pour aller manger, si personne nous avait arrêté dans la rue, je pense qu'il aurait été un petit peu inquiet, tu comprends? Parce que, dans un sens, c'est très bizarre, et ça, peut-être Christine pourra commenter là-dessus. Pierre, quand tu étais d'égal à égal, tu lui présentais quelqu'un qu'il considérait comme un égal, par exemple. Il était très mal à l'aise et très timide. Par contre, l'homme de la rue, il était d'une gentillesse et d'une amabilité avec... Écoute, des fois, ça nous prenait pour nous rendre au Piémontais. On marchait de chez Eden Blakey au Piémontais. Ça prenait une heure. Et on se donnait toujours du temps parce qu'on se disait, ça va être long pour se rendre. Mais Pierre, il pouvait parler. Si quelqu'un l'abordait et il discutait avec lui, il pouvait passer 5 minutes à discuter avec la personne. Une personne qui reverrait jamais de sa vie. Par contre, si on le félicitait, ça l'agaçait beaucoup. Il ne savait plus quoi dire. Il aimait ça que les gens le comptaient. Christine, tu es d'accord avec ça? Ah oui, oui. J'ai eu l'occasion de vivre ça avec lui. Des gens du peuple qui se trouvent au restaurant et qui le réalisent tout à coup qu'il est là et qui viennent carrément à la table. Toujours très gentil. Oui, et il y avait une disponibilité telle avec les gens, l'homme de la rue, les gens ordinaires. Les gens ordinaires. Je pense qu'il était heureux d'être admiré. Je pense que ça a dû être très, très dur d'être continuellement jugé comme ça. On en a fait des fois une image absolument d'homme terrible. Et là, il avait dû vrai. Il devait se dire intérieurement, mais je suis aimé pour vrai puisqu'ils viennent à moi. Et on en a discuté souvent, Louise et moi, quand on était ensemble. Mais Pierre avait une totale affection pour le Québec. Et ça, les gens ne le réalisaient pas. C'est que Pierre était convaincu que les francophones, on allait prendre notre place au Canada et que c'était pour devenir vraiment un pays bilingue. C'était ça, sa vision du Canada. Et il avait l'impression que les Canadiens français étaient capables de choses extraordinaires. Et ça, il n'en a jamais démordu. Malheureusement, parce que je pense que c'est une vision un petit peu utopique qui est devenue un peu utopique. On fait une courte pause publicitaire, on se retrouve tout de suite après. En exclusivité chez Radio Chat, notre principal. Parce que je sais que vous allez parler de l'homme politique. Et un peu comme je le disais en début d'émission, Gilles, sans vouloir devancer votre parole, moi, je me suis opposée à lui politiquement au niveau de l'idéologie. Puis je pense que c'est un peu le cas pour vous. Mais en dehors de ça, comme homme, il représente quoi pour vous? Bien, il a fallu un temps, comme tout le monde, j'étais un jeune nationaliste et ultra-nationaliste. Et par conséquent, comme il ne reconnaissait pas ou pratiquait la négation, la reconnaissance du Québec quant à son élargissement d'autonomie, je ne parle pas de la souveraineté, il repoussait ce que Jean Lesage demandait, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa. Alors, j'ai développé une espèce de relation, comme lui-même il l'a fait dégager, d'amour-haine. Et puis avec le recul, le temps, évidemment, la poussière retombant, ben, c'est évident que si Pierre Liotroux était mort au lendemain de Meech, probablement qu'on n'aurait pas un concert d'éloge comme aujourd'hui. Mm-hmm. Le temps fait son œuvre. Alors, ça a été la même chose pour moi, et j'ai dû m'élever puis reconnaître qu'à travers l'histoire, ce bonhomme était extraordinaire. Ne serait-ce que pour le Canada, par exemple. Son obsession à Pierre Trudeau, dans le fond, c'est que lui, il ne voulait pas que le Québec se sépare parce qu'il se disait, bon, ben le Canada va devenir aussi faible que le Québec, et il y a un ennemi terrible qui nous guette, que sont les États-Unis. Alors, soyons ensemble, et c'est Gianni Bourassa. Mais il ne devait pas toujours vous aimer. Et non, parce que, évidemment, je n'aimais pas sa façon qu'il regardait de haut le Québec et ses demandes particulières, aussi timides que celles de Robert Bourassa, ou encore d'arriver avec une loi linguistique qui visait à donner un tonique à la langue française avec la loi 22 et de mépriser le premier ministre du Québec. C'est évident que ça créait des réactions chez ceux qui étaient des nationalistes. Il y a une chose que je veux dire à Gilles Proulx, c'est que je dois à Gilles ma plus longue conversation politique avec Pierre,
Parce qu'un journal du midi, Gilles, t'avais traité Pierre de dinosaure à tour de bras. Et j'étais tellement en maudit que j'ai appelé Pierre. Au lendemain de midi, j'ai appelé Pierre et j'ai dit, écoute, il faut que j'aille manger avec toi. C'est écœurant ce que je viens d'entendre à la radio. Et moi qui pensais qu'il n'était pas écouté. Gilles, quand même. Vous avez eu l'occasion de l'interviewer, de le côtoyer? Non, deux fois, je l'ai rencontré rapidement. Une fois à l'île des Sols, il faisait une tournée, puis je l'avais rencontré en sortant d'un centre commercial. Je suis allé lui donner la main. J'avais dit que j'étais un adversaire, mais que je le respectais beaucoup. Et j'étais avec ma femme, qui était une instructrice politiquement très engagée à cette époque. Je me rappelle, il avait donné la main à tout le monde, puis bon, elle avait affaire à des belles femmes, il avait du goût. Et j'avais trouvé ma femme un peu, non pas grossière, mais audacieuse. Elle était restée les mains croisées comme ça. Et ça, c'était au lendemain de la campagne de 73. En voulant dire, je vous donne pas la main parce que vous ne nous respectez pas, les Québécois. Mais avec le temps, après ça, j'avais rencontré en 73, lors de l'inauguration de Radio-Canada, parce que tu es là. Et puis, il m'avait dit, c'est fini les folies, lesquelles? J'avais été candidat du PQ d'Anjou à l'époque. J'ai dit, vous, ça continue les folies, lesquelles? J'ai dit, vos débats éternisés, je ne sais pas trop pourquoi à l'époque, le déficit. C'était un homme extraordinaire, mais quand on fait le bilan, c'est sûr que ce matin, là, tout le monde est positif, mais il faut quand même regarder, il y a des aspects. C'est un poète, il a pris le pays à 630 milliards de dettes, il nous l'a laissé à 31 milliards. A-t-il internationalisé le Canada? Oui, grâce à... Oui, grâce à au niveau des dettes. Ouais. Hein? Ça, il nous a laissé beaucoup de dettes, il faut le dire. Écoutez, vous avez l'occasion de parler avec un autre invité qui est en ligne et qui a été son élève à l'université, à la faculté de droit, mais qui a également l'a beaucoup massacré du temps des cyniques. Alors, on a André Dubois qui est en ligne. Ah, oui. Bonjour, André. Bonjour, Louise. André, c'est gentil de nous appeler ce matin. Quel genre de professeur c'était? Écoutez, à l'époque, à la faculté de droit, on était, donc, on parle du début des années 60, les cours étaient encore totalement magistraux. C'est-à-dire que vous arriviez le matin, puis il fallait être bon dans le copiage, la prise de notes, parce que les profs s'installaient en avant et récitaient leurs cours, que ce soit en droit civil ou droit criminel. Mm-hmm. Et quand Pierre-Éliott Trudeau est arrivé, ça a été un changement complet de pédagogie. Lui, il n'arrivait pas de notes, s'installait en avant sur le bureau, et là, il suscitait la discussion parmi nous. C'était un cours sur les droits et libertés, évidemment, ça l'a marqué toute sa vie. Oui. Et nous, ça nous prenait quelque peu par surprise, et on était même un peu bouche bée, parce qu'on s'attendait pas à ce que quelqu'un veuille nous faire parler et discuter. Mm-hmm. Et pour ça, on appréciait beaucoup cette espèce de bouffée d'air frais que ça représentait. Est-ce qu'il avait, dans son attitude en dehors des cours avec les étudiants, la même réserve qu'il a toujours eue dans sa vie? Ou s'il... Ah non, pas du tout. Non? Pas du tout. Je me rappelle, moi, d'être allé le voir, parce qu'à cette époque-là, je rêvais de faire du droit international, je voulais devenir diplomate. J'ai réussi mon affaire. Surtout avec les cyniques, hein? Et je voulais aller à l'Institut des hautes études internationales à Genève, et bon, j'avais besoin de lettre de recommandation, puis il m'avait accueilli chaleureusement à son bureau, on avait parlé beaucoup de ça, il me recommandait beaucoup d'aller à l'Institut des hautes études internationales, sauf qu'il y avait un petit bémol sur Genève, mais, parce que pour lui, évidemment, c'était pas juste l'idée de m'encourager d'aller étudier comme tel, comme l'idée d'aller voyager, séjourner dans une ville étrangère. Je pense que c'est un homme qui avait voyagé toute sa vie, considérant que ça faisait partie d'une sorte de déniaisage, là, d'aller voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Il mm-hmm. disait que finalement, la principale qualité de Genève, c'est que c'était proche de toutes les villes intéressantes. Et déjà, bon, il y avait les automobiles à cette époque-là, mais c'était pas encore un politicien. Il n'avait pas fait le saut en politique, c'était un intellectuel. Et déjà, le fait qu'il ait été accepté comme prof à l'Université de Montréal, c'est quelque chose, parce que je pense que son engagement n'était pas vu d'un bon œil par de certaines autorités. À ce moment-là, évidemment, le recteur était nommé par Québec, etc., etc. Mais il avait finalement réussi à s'imposer. Donc, ses qualités de pédagogue étaient reconnues, donc. Absolument, et absolument. Et ses grandes connaissances. Merci beaucoup, André, merci, de cet appel plaisir. Et de ce moment d'intimité. Merci. Donc, on se rend compte que déjà, à ce moment-là, en tant que prof, ses chevaux de bataille étaient installés dans sa vie. De toute façon, Pierre n'a jamais rien fait comme tout le monde. Hein, tu sais, donc, à partir, puis c'est peut-être ce qui nous rapprochait le plus, c'est qu'il y avait un côté très provocateur. Il y avait un côté contestataire. Toute sa vie, il y a eu un côté contestataire. Et c'est quand il est devenu membre du Parti libéral, bon, ça a surpris un peu les gens, mais il a quand même secoué le Parti libéral considérablement.
Et quand il a accepté d'y aller avec, c'est-à-dire que c'est, ça s'est pas fait comme ça parce que c'est pas lui qui vidait, mais quand ils sont allés tous les trois, Jean Marchand, Gérard, Pelletier et lui, ils ont vraiment changé plein de choses au Parti libéral. Et je pense que le Parti libéral, pendant des années, a appliqué beaucoup plus des politiques travaillistes ou des politiques sociales-démocrates que des politiques libérales. C'est dans ce sens-là. Et ça faisait partie du personnage de Pierre, d'être contestataire. Mais ça faisait aussi partie du personnage de Pierre d'être leader. Je pense qu'à partir de là où il était venu chef d'opposition, ça marchait plus. Parce que ça n'avait aucun intérêt. Pierre, c'est un chef. C'est pas un chef d'opposition, c'est un chef. Pour avoir voyagé beaucoup dans le monde pour mes collections et tout ça, c'était quand je faisais des collections en Orient, tout ça. Pour tout le monde, c'était un emblème, là. Vous le sentiez. C'était absolument incroyable. Et jamais plus j'ai entendu des gens me parler à Hong Kong de notre premier ministre ou en Italie ou tout ça. Mais c'était vraiment, je pense, un homme d'une classe internationale qui a amené vraiment le Canada à un autre niveau. Hein. Il y avait cet effet d'entraînement absolument incroyable. Et qui a continué de l'être à ses relations avec plusieurs chefs d'État. Continué. Il y avait entre autres une admiration parce que il m'a parlé longuement de Gorbatchev. Il avait une grande admiration pour l'intelligence de Gorbatchev. Et moi, je dévoue aussi cette admiration qu'il avait pour Castro, quelle grimace qu'il faisait aux États-Unis. Il va ouvrir une ambassade en Chine avant les Américains. C'est vrai que la France avait commencé auparavant. Alors, ses amitiés avec le tiers-monde, ses discours sur le désarmement font de lui une personnalité internationale. Il a été la plus grande, probablement. Mais on dirait qu'avant lui, il n'y avait pas de gens qui ont internationalisé le Canada. C'est pas tout à fait juste. Il y a eu Lester Pearson qui, au lendemain du canal de Suez, par exemple, mérité sa médaille et affirmé le Canada sur la scène internationale. Je disais tout à l'heure qu'il avait laissé la dette à 630 millions, je me suis trompé, 630 millions. Et puis, il a fait grimper à 31 milliards. C'est un poète. C'est un poète avec l'argent. Voilà. Peut-être. On fait une courte pause publicitaire. On va parler après la pause de la vie spirituelle de M. Trudeau. Produits de boulangerie, exigez une montagne de fraîcheur. Exigea, IGA. En arrivant ici, Mamouchka communiquait un peu difficilement. En plus, elle partageait son accès Internet avec tout le quartier. Ça allait pas toujours vite. Elle était avec le câble, mais comme elle voulait des nouvelles de Boris... Кабельский, это чертов кабель, я ждала, их послала к чертовой матери. Des fois long. Profitez d'un accès juste pour vous. Abonnez-vous au service Sympatico Édition Haute Vitesse de Bell. Tout le plaisir de découvrir en quelques secondes des bandes annonces de films, des sites musicaux ou même des jeux. En plus, pour un temps limité, bénéficiez de notre offre exceptionnelle. L'installation gratuite, la trousse de démarrage gratuite et 3 mois de location du modem offert gratuitement. Économisez jusqu'à 210$ et abonnez-vous au service Sympatico Édition Haute Vitesse qui vous offre une vitesse de navigation constante, peu importe le nombre d'utilisateurs sur notre réseau d'accès. Composez dès maintenant le 310-1-VITE ou faites le www.bell.ca/VITE1. Pour la qualité et la variété, exigez nos compliments. Exigea, IGA. Pour une peau d'allure saine, essayez le nouveau gel nettoyant moussant Johnson's pH 5.5. Contrairement à certains savons à pH élevé, il a un pH comme celui d'une peau d'allure saine et laisse votre peau douce. Johnson's pH 5.5. Microdermex, une technique naturelle qui élimine rides, cicatrices d'acné ou de chirurgie et autres imperfections de la peau. Dès la première séance, les résultats sont remarquables. Microdermex, une solution naturelle et sécuritaire, une exclusivité Normico.
Est-ce que vous connaissez l'homme qui se cachait derrière le politicien Pierre-Éliott Trudeau? Je vous ai dit tantôt qu'on allait parler de sa vie spirituelle, mais avant de parler de sa vie spirituelle, on va parler avec Denise Filiatro. Bonjour, Denise. Bonjour, Louise. Parce que c'est pas de ça dont on doit parler. Bon, ben, enfin, non, je pense pas, non. Avec toi, Denise, t'as été une des femmes qui est passée dans la vie de M. Trudeau à un moment donné. Ben, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, oui, je suis passée dans sa vie, en effet, oui. Au cours des années 60, quand il était professeur de droit à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'attirait chez cet homme-là? Ah, ben écoute tout, c'était, il avait un charisme, il avait un charme fou. Moi, je l'avais rencontré chez Pierre Trudeau, il m'avait été présenté par un de ses élèves qui était Jean Trudeau, que je fréquentais à l'époque. Et lui était dans un coin de la pièce, moi j'étais dans l'autre coin de la pièce, on se regardait tout le temps, j'ai dit « qui est cet homme fascinant? » Il me dit, écoute, c'est mon professeur de droit à l'université, il est ceinture-marron judo, il est millionnaire, il change de complet tous les jours. C'est un bon parti. Donc, il y a eu des petites flamèches entre toi et lui. Oui, alors, on s'est rencontrés, on a discuté beaucoup, parce que moi, je suivais l'affaire Coffin dans les journaux à l'époque, dont Jacques, son grand copain... Jacques Hébert s'occupait, oui. Ah, oh, je l'ai dit, je suis passionnée. Donc, qu'est-ce que vous faites, mardi? Mais j'ai du chaud, chic, cabaret, le passo à la Chine. Alors, il vient, tais-toi. Donc, il vient me voir. Il dit, je vais vous voir avec Jacques Hébert. Je vous amène Jacques Hébert, je vais vous voir. Moi, j'ai demandé à Michel, je dis, écoute, Pierre, viens me voir ici. Au pas de bon sens, je vais mourir. Et on le voit arriver, on était dans la loge qui avait, comme je disais hier, vue imprenable sur le parking du cabaret chez Calpazo. Et je vois mon Pierre-Éliott arriver dans sa petite voiture convertible, en chemise, les manches retroussées. Alors, il avait cité au spectacle, moi je faisais un sketch avec Dominique, alors je parlais comme ça. T'avais changé ton accent. Tout à fait. Mais après, on a continué de se voir, de se fréquenter. Puis la vie a fait que moi, je suis partie de mon côté, lui du sien. Puis je l'ai revu durant son mariage et après. Et je l'accompagnais souvent à des dîners officiels. Oui. Denise, en terminant, est-ce que tu pourrais dire un peu comme tout le monde que sous des côtés très, très visibles, très évidents, c'était un homme extrêmement secret? Oui, tout à fait. Mystérieux. Mystérieux? Oui, oui, oui. C'est peut-être ça qui faisait son charme? Mais en plus... Merci beaucoup, Denise. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est sympathique d'entendre ça parce que... Mais tu sais, j'aurais le goût de corriger ton sous-titre d'émission, là. Ça aurait été encore plus juste si tu avais dit « Quel est l'homme qui se cache derrière Pierre Trudeau? » Parce que ça aurait été encore plus juste. Mais c'est ce que j'ai dit au début. J'ai ajouté Alors, tu vois... C'est mon erreur. Tu vois, nos esprits se rejoignent encore. Là, toute ma vie, le comme j'ai mes erreurs. Le Byzantin. Effectivement, parce que dans l'intimité, c'était Pierre Trudeau. Et parlant de correction, il y a une chose qui va faire plaisir à Gilles Pou. Je n'ai jamais vu dans ma vie un homme qui connaissait sa langue française comme Pierre Trudeau. Tellement que chaque fois que je lui écrivais, et c'est la seule personne à qui j'ai fait ça, je relisais mes lettres, parce que d'habitude, je ne relis jamais mes lettres, mais j'avais tellement peur d'employer un mot qui n'était pas juste, parce que chaque fois que je lui ai écrit et que j'ai employé un mot qui n'était pas juste, il m'appelait pour me le dire. À chaque fois. Comme d'ailleurs, même dans la conversation, si on faisait une faute de français, il répétait exactement. Oui. Hein? Vous avez vécu ça, Gilles? Je ne sais pas, là, si on parlait... Oui. Ben, vous aimez tel long jeu. Oui, enfin, j'ai beaucoup aimé ce micro-sillon. On a des fautes qui sont tellement incrustées dans notre mode exactement. De parlage. Exactement. Il reprenait le bout de phrase et il disait le bon mot. Et là, tu te sentais à l'aise. Ça m'étonne d'autant plus parce que... Quelqu'un qui était considéré un peu froid, un peu snob, élitiste et tout ça, qu'il ait touché quand même à ce point tellement le peuple en général, non? Parce qu'il y a eu des... C'est pas populaire, mais pas populiste. Ça serait pas la seule personne snob à l'avoir fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas l'air qui répugne au fait que quelqu'un soit peut-être un peu distant, un peu snob, et qu'il soit très près du public. Mais je le vois pas comme étant une personne snob. Non. Je pense qu'il était intolérant face à la facilité dans laquelle les gens se donnaient. L'ignorance crasse, le choquait, il était intolérant. Oui, absolument. Mmh. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de cynisme. Il a souvent passé pour être cynique, voire même arrogant, mais c'était pas ça. Quand il devenait cynique, c'est qu'il était blessé profondément. Je me souviens d'un moment où il y a eu une réunion à Sussex Drive, où tous les ministres se sont réunis là. C'était assez exceptionnel. Et lui, qui pourtant ne parlait pas de ses histoires politiques, m'a été blessé parce que l'évêque, et au moment de rentrer, tout le monde donnait la main, que ce soit ennemi politique ou autre.
Et René ne lui a pas donné la main. Et ça l'a vraiment... Donc peut-être que sa sensibilité s'exprimait par l'arrogance. Oui, oui, mais c'est peut-être. C'est ça. On fait une courte pause publicitaire et on va parler de sa vie spirituelle à Pierre Privé. Surtout lorsqu'il s'agit des gratuits d'automne des Galeries du Cap. Lors de votre prochaine visite aux Galeries du Cap, n'oubliez pas votre gratteux d'automne. Utilisé depuis près de 10 ans en Europe, Microdermex vaporise des microcristaux sur la peau et la régénère rapidement pour des résultats spectaculaires. Microdermex, une exclusivité Normico. Consultez EcoVedette en kiosque dès aujourd'hui pour connaître nos numéros de téléphone et notre adresse internet. Quel est l'homme qui se cachait derrière Pierre Trudeau? Je dis bien la question cette fois-ci. On parle de sa vie spirituelle en compagnie du Père Benoît Lacroix. Bonjour, Père Lacroix. Bonjour, madame. C'est vous qui l'avez accompagné dans ses derniers moments, Père Lacroix, et c'est vous également qui avez célébré les funérailles de son fils Michel. C'est à partir de ce moment-là que votre rencontre a eu lieu? Oui, c'est-à-dire on se connaissait déjà un petit peu comme Madame Filiatro. Je l'avais connue à l'université puisque j'étais à l'université moi-même. On est des contemporains et puis je l'ai souvent connu, souvent rencontré, mais comme vous disiez tout à l'heure, il y avait ce côté secret. Mais lorsqu'est arrivé un événement difficile, par exemple la mort de Michel, qui a été terrible pour lui, mais à ce moment-là, c'est moi qui l'ai demandé pour faire ce qu'on appelle présider les funérailles. Lorsqu'est arrivé ces derniers moments, là, il sentait à la fin du mois d'août, début septembre, que c'était vraiment la fin. Par Justin, toujours, il m'a demandé d'aller le... comme on dit, l'accompagner. Mais c'était toujours M. Trudeau. C'était l'homme à la fois de peu de paroles dans ce style-là, je veux dire. Peu de paroles, l'amour du silence. Nous avons fait une cérémonie, j'ose employer le mot, là, madame, une cérémonie qui a duré à peu près un quart d'heure où il y avait quelque chose de très intérieur. Je n'avais pas besoin de parler. Je lui offre la communion, je lui offre le pardon, je lui offre ce qu'on appelle les rites, nous, dans notre religion. Mm-hmm. Et c'est un homme profondément croyant, mais encore ici, c'était plutôt, je dirais pas secret, discret. Il ne voulait jamais imposer, étant donné sa situation sociale, imposer par ses attitudes une croyance à une autre. Et il était à la fois très respectueux, mais en même temps, il était très profond dans sa croyance. Profond, mais pas dans le sens... c'est étrange, c'est le contemporain de Refus Global, Cité Libre. Jamais M. Trudeau n'a remis en question sa religion d'enfance. Jamais. Il n'a jamais fait entrer la dialectique dans sa religion. C'est toujours étonnant. Il a gardé, disons, ses prières d'enfant, ses attitudes, j'ose le dire, je crois, cette espèce de confiance reçue des parents, confiance instinctive, j'oserais dire. Qui était là même à la fin de ses jours. Oui, à la fin, le sens du sacré, je crois ce qu'il aimait peut-être à ce point de vue-là par rapport à moi, c'est que on avait tous les deux, sans se le dire, un certain sens du sacré où on ne multiplie pas les mots. Là, j'ai multiplié, je m'excuse, mais il faut bien. Je pense, Père Lacroix, qu'il y a un élément qui est assez remarquable chez Pierre, c'est que moi, de la part d'un Québécois, parce qu'on s'est largement permis de critiquer le clergé, mais Pierre ne l'a jamais fait. Il a toujours été là-dessus. Je ne sais pas, je peux même pas dire ce qu'il pensait du clergé, parce qu'il n'en a jamais parlé, mais je ne l'ai jamais entendu critiquer le clergé. Il n'a jamais souhaité le retrait. C'est-à-dire qu'il avait, dans Cité Libre, il avait distingué, il avait dit, moi, je m'occupe de politique, j'espère, c'est pas cette histoire, qu'il y en aura d'autres qui se confieront de faire le ménage dans l'autoritarisme ecclésiastique. D'accord. Gilles Proulx, vous venez d'ajouter un élément que je trouve intéressant. Vous avez posé oui, je pensais qu'il avait combattu pour déloger le clergé parce que l'époque de Duplessis pouvait ressembler à celle du roi de fer, Philippe le Bel, où les relations clergé-État étaient impliquées. Je pense que Pierre voulait que le clergé soit à sa place. Il n'a jamais critiqué. Comme Jean Lesage et les autres à l'époque. Père Lacroix, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces moments d'intimité que vous avez vécu avec Pierre Trudeau. Vous avez bien de la chance, madame. Merci. Alors, merci à vous quatre de vous être prêtés à ce que j'appelle un jeu d'intimité qui est souvent plus difficile à étaler que le reste, puisque l'homme public, tout le monde peut en parler, puisque tout ça, c'est connu. Merci. Bye tout le monde. On se retrouve lundi matin.
Une mission universelle. C'est probablement pour encourager les gens à se parler. Qui nous concerne tous. C'est votre responsabilité à vous. Vendredi, Sexe et Confidence, la baisse thérapeutique. Ce vendredi à Flash, le rocker Éric Lapointe nous rapporte des images de ses aventures en Afrique. On vous emmène à une session de photos pour les maillots de bain Shan. Et branle-bas de combat, la superstar Tina Turner fait ses adieux à Montréal. Attachez vos ceintures pour Flash. 18h30. Aux soirées absolument québécoises, une fille est kidnappée. Ah! Qui faut-il appeler? Del Vecchio. Nado. Ouais, Martin. Je te rappelle. Réussiront-ils à retrouver l'enfant disparu? Police! La terre! Hey, je promets que je dirais pas un mot, mais si tu l'as à ma place, toi, hein? C'est pas moi qui est en danger, tabarnak! C'est ma fille! 10-07, l'affaire Kafka, la conclusion. Ce soir, 19h30, à TQS. Des débats, des analyses, des résultats, des commentaires. Dans le sport, c'est ce que vous aurez tous les soirs, du lundi au vendredi, à 22h30, à TQS Mauricie, à 110%. Le temps de cette émission publicitaire a été retenu et payé par le Centre de santé minceur. Les témoignages entendus sont véridiques. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette émission toute spéciale consacrée au Centre de santé minceur. Mon nom est Christine Lemaire et au cours de la prochaine demi-heure, nous allons parler de perte de poids. On va parler de retrouver son poids minceur, son poids santé. On va parler également de libido. Déjà cuite, des rotinis, oui. Puis d'accord. Je mets un petit peu d'huile et un petit peu de vinaigrette pour la laisser reposer. On peut la laisser au frigo, on peut la préparer d'avance si on veut. Oui. Alors, tout de suite, on va passer au poulet. J'ai du poulet au frigo. Oui, OK. Des suprêmes de poulet. On va aller chercher le poulet. Oui. Ah. Puis là, comme j'ai des très belles poitrines assez épaisses, oui. Oui, regardez, je vais en diviser une dans le sens de l'épaisseur. Je vais enlever le petit mignon. Puis, je la divise comme ça. Pour que ça cuise plus rapidement. Ah, ben oui. Oui. Comme ça. Et d'une fois. Et de deux. Et de deux. En enlevant ça. Dans vos rôles, on va parler un petit peu de vos rôles. Oui. Vous avez souvent des rôles dramatiques, Oui. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes... Moi, je suis plutôt d'humeur égale et joyeuse. Je me lève le matin de bonne humeur, puis s'il ne se passe rien pour me changer mon état, ça reste comme ça à peu près toute la journée. Là, je vais déposer un petit peu d'estragon frais sur le poulet. Sur le poulet. Pour le faire cuire, pour que le goût pénètre. Bon. Je fais ça un petit peu comme ça. C'est pas grave qu'il y a les racines, ils vont partir. Mais non, ça goûte très, très bon ça aussi. Là, je vais remonter mon feu un petit peu. Puis, je mets une noix de beurre et de l'huile d'olive. Ça, c'est l'élève. Parce que comme ça va dans une salade... Pour que ça vienne de loin, là. Oui, il y a un petit peu de beurre pour que ça dore mieux. Oui. Mais, oui, alors c'est ça. Non, je suis plutôt le type joyeux, moi. Oui. Oui. J'aime avoir du plaisir, j'aime... bien manger. Oui, vous aimez bien manger. Est-ce que c'est vous qui faites la cuisine ici? En fait, c'est peut-être plus moi que mon amour de Jeanne, qui travaille de 9 à 5. Alors, quand elle arrive, moi, souvent, mes horaires étant irréguliers, ça me permet de d'avancer le souper. Puis comme quand on joue au théâtre, il faut manger tôt. Oui, est-ce que vous avez des recettes... comme des recettes de votre mère ou des goûts d'enfance? Oui, en fait, la recette que je fais, puis ma fille a commencé à faire aussi, c'est les patates fricassées à ma maman. Ah, ça, là, hein? Oui. Ça,
ça goûte l'enfance. Et puis, vous en faites à vos enfants? Vous en faites plus? Oui, oui. Puis j'en ai même fait à ma nouvelle compagne. Là, je lui ai fait découvrir ça aussi parce que c'est extraordinaire. Ben oui. Avec oui. un restant de viande, ça puis se fait rapidement. Facile. Oui, c'est rapide surtout. Parce que souvent, j'ai besoin que les choses se passent rapidement. Alors, pendant qu'on fait que ça, oui, ça cuit, on a le temps. On peut préparer d'autres choses. Moi, là, je me sens inutile. Regardez, je peux vous aider. Oui. Pendant que je vais faire un fond avec la romaine, vous pouvez arranger deux endives. Oui, parfait. Parce que je vais. On prépare un lit de romaine. Pour déposer la salade. Alors, on prend tout simplement la romaine, puis je la coupe comme ça. Excusez le bruit, là, je devrais prendre du bois. Non, tiens, prenez le mien. OK, prenez parfait. Prenez le mien ici, la petite blanche, bon. Alors, ça va aller bien, voilà. Comme ça, assez mince, parce que ça donne une espèce de volume, et la vinaigrette va bien prendre. Bien, certain. Oui. Bon, ça, c'est pas... C'est pas pire. Est-ce que j'ai l'air d'un vrai cuisinier, là? Je me demande. Oui, moi, je suis sûr qu'à la maison, là, il regarde pas tellement aller le couteau, là. Hein? Il regarde le docteur, et puis il doit avoir hâte aussi de vous voir au théâtre, là, que vous commencez peut-être. Oui, puis là... À quel théâtre que vous jouez? Au théâtre Denise Pelletier. Ah, bon. Oui, pour les ados et le grand public, bien entendu. Puis j'ai... Je vais surprendre les gens. Les gens me trouvent toujours très gentil. Ah oui? C'est vrai que je suis plutôt sympathique, mais... Oui, oui, vous êtes un bon vivant, là. Vous n'êtes ouais, pas expressé, vous n'êtes pas... Mais je joue un rôle pas très sympathique, plutôt méchant, même. Ah, ben c'est ça, être acteur, hein? C'est... Des fois, on prend des rôles, ça ne veut pas dire que c'est notre caractère. Mais j'ai vu de très belles pièces d'antiquité... Ouais. Est-ce que vous aimez les antiquités? Oui, j'aime beaucoup les antiquités. J'ai commencé, il y a presque 30 ans. J'étais étudiant. Ah oui? Vous aviez déjà ça? Là, j'aimais déjà ça. J'ai tombé en amour avec la première pièce que j'ai achetée, c'était un coffre en bois qui est extraordinaire. Il était beau, mais utile en même temps? Oui, c'est ça. Il me sert encore maintenant. Il est rendu à la campagne. Bon! Parce que tous mes meubles en pin sont rendus à la campagne. Oui. Puis ici, j'ai commencé à acheter d'autres choses. Là, je suis dans les antiquités japonaises et orientales. Bon, ça, c'est... Oui, des très jolies choses. Très, très beau. Je vais le baisser juste un petit peu. Mais vous voyez, ça a commencé à dorer. Ça va être parfait. Oui. Vous avez arrangé les endives. Oui. Vous pouvez les couper en petits tronçons. Je vais regarder pas faire. D'accord. Je vois des fines herbes qui sont extraordinaires. Puis vous me dites que c'est vous sur votre balcon. Oui, c'est mon petit basilic. Pousse sur ma terrasse. C'est beau. Oui. Parce qu'il faut absolument, quand on aime faire la cuisine, avoir des choses fraîches. Puis, souvent... Il faut avoir le pouce vert, M. Gagnon, pour ça. Oui, bien, moi, j'aime beaucoup jardiner. Si j'avais plus de temps, là, je me retiendrais pas. Plus d'espace, mais... Oui. Ben, ici, vous n'avez pas un jardin. Là. Non. Vous avez des pines herbes. J'ai une terrasse, mais... Ah, je me donne le défi de faire une terrasse où je vais avoir des plantes à l'année. Oh là là, alors, c'est intéressant. Des arbres, des buissons, des vivaces. J'ai fait pousser des roses cette année. Oh! Oui, puis ça a assez bien fonctionné. Vous avez une maison à la campagne? Oui. Et là, et votre jardin? Oui, oui. Le vrai jardin, là, qui on dit que ça prend 15 ans à faire un jardin. Alors, j'ai du temps. Là, je tranche du fenouil, comme vous voyez. Vous ajoutez du fenouil? Oui, et je le tranche le plus mince que je peux. Parce que comme c'est une salade crue, ça va être plus digeste. Oui, c'est ça. Ça. Alors, ça fait à peu près... Ça, je pense que c'est beau, hein? Alors là, je vais laisser reposer un petit peu pendant qu'on va finir ça ici. Puis ça, et les endives et le fenouil... Ça va aller dedans? Ça va aller là-dedans pour qu'on puisse brasser ça puis ajouter ça. Oh, ouais. Puis là, il me manque de la menthe. Ah, ben fraîche, bien entendu. Là, je ne l'ai pas apporté de la campagne. Voulez-vous que je la coupe, là? Oui, vous pourriez faire ça. Parfait. Puis, moi, je vais prendre un petit peu de basilic frais que je vais rajouter. Vous mettez de l'amande, du basilic. Basilic, et je rajoute un petit peu d'estragon. Et on a aussi des graines de tournesol, ça? C'est ça, oui, des graines de tournesol qu'on va mettre dedans. Est-ce que vous les faites griller ou si vous les mettez comme ça? Non, je les mets nature. Parfait. Mais je vais les mettre pas
avec la vinaigrette parce que je veux que mon petit goût de noix reste pur et que ça n'imbibe pas de vinaigrette. Ben, vous parlez comme un connaisseur en cuisine. J'adore oui. aussi inventer des recettes. Des fois, là, on a l'impression qu'on n'a rien, puis je m'invente un petit quelque chose. Mais c'est sûr, la cuisine. Il ne faut pas se casser puis chercher des recettes. On prend la base d'une recette et on ajoute des choses personnelles. Oui. C'est ça, aimer la cuisine. Alors, là-dessus, là, je peux déjà mettre un petit peu de sel et poivre. Surtout que les pâtes ont besoin d'assez de sel pour que ça goûte. Puis là, on va mettre toujours le poivre au moulin. Hein. Ça, c'est un défaut, mais une fois qu'on a goûté à non, ça, on ne peut plus revenir. Est-ce que vous recevez beaucoup... Oui, je reçois moins en ville, plus à la campagne, parce que je suis installé pour recevoir des grosses gangs. Moi, genre, à Noël, là, j'ai pas une grosse famille comme la vôtre. Non, mais... Mais je fais des parties pour 25, pour... C'est beau! Oui. C'est vous qui cuisinez? Est-ce que c'est vous qui cuisinez? Oui. Tout. Les pâtisseries, les biscuits, les entrées... Vous vous prenez d'avance, sûrement, parce que... Oui, ça me prend au moins 3-4 jours, parce que là, je vais faire plusieurs plats. Du lapin, des... Oh, wow. Puis on a le choix de manger ce qu'on veut, en fait. Oui, mais j'espère que vous prenez le temps de vous asseoir avec vos amis, puis... Ben oui, c'est sûr. Et on est rendu au poulet? Oui. Alors là, on va rapprocher la planche. D'accord. Et on va trancher le poulet en lanière. Vous le tranchez comme, voilà, comme ça. Des gros morceaux ou des petits morceaux? Des morceaux assez fins. Assez fins, comme ça, je dirais. C'est de tout beauté. Voilà. On fait une bonne équipe. Pardon? On fait une très bonne équipe. Quoi qu'en disent les caméramans, ça ne dérange pas. Et on ne les mettra pas tout de suite parce que vous allez voir. On va assembler ça pendant que je vais approcher. On va aller à la pause, Monsieur Gagnon. On va aller à la pause et on va lire les ingrédients pour les téléspectateurs. Parfait. Alors, tout de suite? Oui. Alors, pour la salade de poulet... de salade de pâte au poulet et à l'estragon, 2 suprêmes de volaille, 1 cuillerée à table d'huile d'olive, 4 tasses de pâte fotini cuite al dente, 1 demi-bulbe de fenouil ou au goût, 10 feuilles d'endive, 1 demi-laitue romaine, 1 quart de tasse de graines de tournesol, 1 cuillerée à table d'estragon frais haché, 1 cuillerée à table de menthe fraîche hachée, 2 cuillères à thé de basilic frais haché et de l'huile extra vierge si possible et du vinaigre de vin, sel et poivre. È bello qui. È il mio posto preferito a Paris. Potremmo stare qui. Peut-être ne verra-t-on jamais la plus petite trace de pellicule là où il y aura Head and Shoulders. Ainsi, simplement à effleurer quelques... Comme biographie, nous aurons tous des images en nous-mêmes de Pierre Trudeau. Vous, Mme Pépin. Ce que je me rappelle, mais en fait, M. Trudeau, je pense, a été un de nos grands leaders. Et je me rapporte aux femmes, je pense que c'est son gouvernement qui a donné les lois. Nécessaire pour que les femmes, à ce moment-là, aient l'égalité et qu'on arrive sur le tremplin et prendre le virage de l'an 2000. Je trouve que c'est très important, même égal à ce moment-là aux hommes. M. Ryan. Peut-être le trait que je soulignerais avec le plus de force, c'est le sentiment qu'il a donné aux Canadiens d'origine récente d'être pleinement chez eux dans ce pays qui s'appelle le Canada. Vous remarquerez une chose, si vous suivez de près la réalité politique. Emilio, M. Trudeau, était le plus adoré dans les milieux de communautés ethniques, partout à travers le Canada. Pourquoi? Parce que ces gens-là, venus de pays qui avaient connu des problèmes avec la liberté et les droits fondamentaux, ils avaient reconnu dans cet homme le protecteur de leur liberté, celui qui dirait non à toute forme de discrimination. Ça, c'est une très grande contribution à l'édification du Canada moderne. Parce que, quoi qu'il en soit, la solution qui sera apportée au problème du Québec, fondamentalement, il faudrait bien que le Canada soit assis d'abord sur la primauté des individus. Et de ce point de vue-là, la contribution est exceptionnelle. Monsieur Fournier. Indiscutablement, pour moi, c'est un grand homme politique, mais si j'aimerais mieux, moi, ce que je retiens de Pierre,
C'est un homme d'une exquise délicatesse. C'est un homme attentionné, c'est un homme d'une grande sensibilité. Malheureusement, qui était maladroit dans ses rapports avec les gens, dans ses rapports humains. Maladroit avec les femmes, un peu mal à l'aise à l'occasion aussi avec les enfants. Maladroit même en amitié, souvent, parce qu'il était... Il fallait toujours que tu ailles chercher Pierre. Lui, il venait jamais te chercher. C'est toi qui allais le chercher tout le temps. Et je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai toujours trouvé que c'était un peu dommage. Puis le meilleur souvenir que j'ai de Pierre, je l'ai dit déjà, c'est que chaque fois que j'allais le recaser chez Edith Blakey, je l'embrassais dans la rue et à chaque fois, je sentais qu'il était un petit peu mal à l'aise, mais il y avait toujours un bon sourire en me disant, au fond, c'est ce que je devrais faire, puis c'est ce que j'arrive pas à faire naturellement. Il y a une image qui peut me rester à moi. Je vais peut-être demander à vous, M. Fournier, de la commenter. C'est la profonde tristesse de M. Trudeau lorsqu'il a perdu son fils. Pierre était dévasté. Moi, j'ai écrit une longue lettre à Pierre. Il m'a rappelé. On a passé 2 heures au téléphone. Et il était à ce point dévasté que... Moi, j'ai appelé des gens qui étaient près de Pierre pour qu'ils voient Pierre, parce que moi, j'avais l'impression qu'il sombrerait dans une dépression, ce qui m'apparaissait. Parce que c'est un homme très près de ses fils. Et je pense que tout père, c'est un homme qui... Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il y a des gens que j'ai appelés qui ont vu Pierre et qui m'ont rappelé après en me disant, t'exagères, il est bien. Mais je reconnais là l'espèce de façade énorme de Pierre où il n'arrivait pas à dire, je suis mal, j'ai du mal à vivre, c'est une chose qui était incapable de dire. C'est la première fois qu'on voyait M. Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, comme un être humain. Là. Il était au même niveau que tout le monde. Et je me dis, il a laissé tomber son masque et jusqu'à quel point il était bouleversé. C'était le drame de sa vie. Mais c'est pas un masque, Lucie, parce que c'est que Pierre... En fait, il laissait aller ses émotions. Justement. C'est ça, c'est la première fois qu'on le voyait laisser aller ses émotions, tomber toutes ses barrières. Bien, écoutez... Tous les trois, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce témoignage. Maintenant, nous allons retracer les grandes lignes de l'histoire de Pierre Trudeau dans ce reportage biographique qui a été préparé par les équipes de Radio-Canada. Alors, nous écoutons ce reportage. Merci encore tous les trois. Et anglais avec la mère. Au sortir de la dépression, les affaires de Charles-Émile vont si bien qu'il touche son premier million. À la même époque, Pierre Trudeau entre au collège Brébeuf. De ces années-là, il dira plus tard dans ses mémoires, « Prendre le contre-pied des affirmations courantes avec les camarades aussi bien qu'avec les professeurs et mettre en doute les opinions dominantes devint pour moi une habitude que je devais conserver toute ma vie. » En 1933, toute la famille part en voyage en Europe. Pierre Trudeau retournera quelques années plus tard à Paris, puis à Londres, par faire des études en économie politique, après un séjour à l'université Harvard. « Je me rendais compte, dit-il dans ses mémoires, que le Québec d'alors était marginal, qu'il vivait à l'écart des temps modernes. » et les années de la jeunesse dorée. Pierre Trudeau part à la découverte du monde avec pour tout bagage un sac à dos. L'Orient, l'Arabie, la Palestine lui serviront des aventures et des souvenirs mémorables. Quand on a voyagé assez, on a bourlingué, on est un peu rassasié d'une façon sereine. On se dit bon, ça y est, j'ai vu assez maintenant, j'emmagasine plus, alors j'entre. J'entrais, je travaillais, puis à un moment donné, ça me reprenait et je repartais.
Il rentre au Québec en 49, en pleine grève de l'amiante. Un point tournant pour la société québécoise de l'époque. Un événement déclencheur pour Pierre Trudeau. C'est là qu'il fait connaissance avec Jean Marchand, alors chef syndical des gars d'Asbestos, et qu'il retrouve Gérard Pelletier. Ensemble, ils combattent Duplessis. Il s'agit de réaliser que nous sommes le gouvernement de tout le peuple de la province de Québec, indépendamment des convictions politiques. J'étais du temps de Duplessis que j'ai assez farouchement combattu. J'étais quand même autonomiste. Je trouvais que pour ce qui est du contenu réel de l'autonomisme de M. Duplessis, j'étais d'accord avec lui. Empêché par Maurice Duplessis d'enseigner le droit à l'Université de Montréal, du moins il l'apprendra plus tard, Pierre Trudeau prend la route pour Ottawa. Pendant 2 ans, au conseil privé, il aura l'occasion d'observer la fonction publique fédérale et de constater l'absence quasi totale de francophones et de Québécois. Pierre Trudeau se lance dans l'activisme intellectuel. Il participe à la revue Cité libre, lancée en 1950. Pourquoi dites-vous que cette cité libre veut libérer la cité de cet ordre chrétien? C'est tout à fait un postulat qui vous est personnel. Vous, vous dites que ces gens-là n'ont pas les mêmes réformes que moi. Donc, par conséquent, c'est des gens qui ne veulent pas la continuation de la cité chrétienne. Il participe aussi au mouvement pour la démocratisation, le Rassemblement. Quels sont les éléments principaux qui ont amené la naissance de ce mouvement? Depuis un certain nombre d'années, je pense qu'il y a une vacuité dans la province du Québec. On est un certain nombre à souffrir d'un certain silence politique et d'une impuissance politique. Un très grand nombre de gens dans tous les milieux ont fini par se rencontrer pour se dire qu'il était temps qu'on s'y mette à la politique et qu'on s'engage en quelque part. C'est l'époque où il flirte avec le CCF, le NPD, et où il s'en prend violemment au Parti libéral du Canada et à son chef, Lester Pearson, qu'il accuse d'avoir fait volte-face en permettant le stationnement d'armes nucléaires en sol canadien. Le but ne doit pas être l'extension de la possession de ces armes, mais leur abolition avant qu'ils détruisent le monde. Lester B. Pearson, avant qu'ils deviennent, comme disait mon ami Yvette Boncœur, le défroqué de la paix. Le 8 novembre 1965, c'est le grand saut. Pierre Elliott Trudeau est élu pour la première fois comme député de la circonscription montréalaise de Mont-Royal. I hope I will get the heck out of there if I can't do a good job. Il prend son envol politique avec le syndicaliste Jean Marchand et le journaliste Gérard Pelletier. Les trois colombes se préparent à chambarder le Parti libéral. Je suis venu à la conclusion personnellement que ce parti-là était susceptible d'accueillir le genre d'idées que je veux y préconiser. Et je croyais aussi que le genre d'action que je veux y exercer serait possible. Ils vont chambarder aussi la politique fédérale. La raison pourquoi on est entré en politique fédérale, c'est justement pour lutter contre une certaine conception du nationalisme excessif. Et on a trouvé que pour le faire, il fallait porter le centre d'attention des Québécois un peu plus vers la capitale centrale et pas se refermer dans la boîte québécoise. L'ascension politique de Pierre Trudeau est fulgurante. Il est tout de suite nommé secrétaire parlementaire du premier ministre Lester Pearson. Puis, il fait ses premières armes ministérielles à la justice. Comme ministre de la Justice, il met la dernière main au projet de loi Omnibus qui va remettre le code pénal à l'heure en matière d'homosexualité et d'avortement. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe. Entre adultes, majeurs, consentants, en privé, 2 personnes. Alors, ce n'est pas très sorcier. Nous sortons l'idée de péché du crime, du code criminel. Le charme Trudeau commence à opérer. L'homme est jeune, riche, célibataire et non conformiste. Il va jusqu'à se présenter aux communes pieds nus dans des sandales. Au scandale, crient les politiciens anciennes vagues. À la fin des années 60, la masse des baby boomers arrive en âge de voter pour la première fois. Leur devise, faire l'amour, pas la guerre. L'anticonformisme, l'idéalisme est à l'ordre du jour. Et Pierre Trudeau est le personnage politique qui incarne le mieux ces nouvelles valeurs.
jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. En 1967, à l'Exposition internationale de Montréal, le pays entier avait célébré son premier siècle d'existence. L'enthousiasme et l'optimisme sont sans bornes. Dans les grands remous internationaux de cette année-là, un des nombreux chefs d'État de passage à Montréal pour l'Expo, le général de Gaulle, lance quatre mots que ni la France, ni le Canada n'oublieront sitôt. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Autre surprise, à la fin de l'année, Pearson annonce sa démission après avoir tracé la voie à Pierre Trudeau. Do you want to be Prime Minister someday? Hell no, I won't even be Minister of Justice if you don't let me go back to work. I don't want to be anything but administer this department well. La première conférence constitutionnelle qui suit le cri du cœur du général est tendue. L'égalité à établir entre nos deux communautés culturelles ne dépend pas seulement d'une extension territoriale bilinguiste. Le premier ministre Daniel Johnson propose égalité ou indépendance, ce qui provoquera un duel mémorable avec le nouveau ministre fédéral de la Justice. Now make it in English because it is directed to my fellow premiers and prime ministers of provinces. When I talked about difficulty with the interlocutor, I didn't mean the federal government, but specifically it was with the Minister of Justice. Quelques jours plus tard, Pierre Trudeau se porte candidat à la direction du Parti libéral du Canada. J'entends me conformer à tous les règlements qui sont adoptés par le comité d'organisation du Congrès. Veuillez accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments est meilleure. Ça m'a pris un moment avant de signer, mais j'ai signé. How is the leadership campaign? Yeah, remember the leadership campaign? Well, it's going fine. Pierre E. Trudeau, 1203. Sa victoire n'est acquise qu'au quatrième tour de scrutin. Trudeau n'a pas que des amis au sein du parti qu'il a si vertement critiqué avant de s'y joindre. Canada must be unified. Canada must be one. Canada must be progressive. And Canada must be a just society. Comme Lester Pearson a démissionné, Pierre Trudeau devient aussi premier ministre du Canada le 20 avril 1968. Élu par le Parti libéral, Pierre Trudeau cherche maintenant à se faire élire par le peuple. Sa première élection générale était placée sous un thème qui restera fondamental à toute sa carrière politique. Une société juste. Un gouvernement qui saura orienter le pays vers le progrès économique, vers le progrès social, et qui fera de la société canadienne une société juste. L'élection de 68 ouvre une nouvelle ère médiatique avec le premier débat des chefs à Radio-Canada. Les chefs de parti se livreront à un énoncé de 3 minutes, puis ils répondront aux questions de nos journalistes, questions qui n'ont pas été préalablement soumises. 1968 fut une année chaude en Occident. Mai 68 a allumé la contestation étudiante en France. La violence tue Robert Kennedy et Martin Luther King aux États-Unis. I have a dream. Le Canada n'échappe pas à l'embrasement populaire. Les bombes explosent à Montréal et à Ottawa. Un groupuscule terroriste en revendique la responsabilité, le Front de libération du Québec. C'est dans ce climat que se déroule la Saint-Jean de 68, à la toute veille des élections fédérales. Si nous protestons contre le fait qu'il soit au fait du Canada français, c'est que lui-même refuse d'accepter l'existence de la nation canadienne-française ou québécoise comme telle. Il le dit et le répète sans arrêt.
il n'y a qu'une nation au Canada. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant qui se soit présenté, qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Les autres dignitaires quittent l'estrade d'honneur. Pierre Trudeau reste. Le mythe Trudeau est né. Les élections du lendemain en seront la confirmation et la première victoire de la Trudeau-manie. Le 25 juin 1968 marque une victoire éclatante pour Pierre Trudeau et le Parti libéral. Fort d'une majorité de 155 sièges, l'idéalisme politique est lui aussi porté au pouvoir. La réforme constitutionnelle demeure, à longue échéance, la meilleure garantie de l'unité canadienne. Vous serez appelé à adopter, au cours de la présente session, une toute nouvelle loi sur les langues officielles. Permettre aux francophones d'accéder aux postes clés de la fonction publique, voilà le premier volet de la société juste à la Trudeau. Le même discours du trône annoncera aussi la création du ministère de l'expansion économique régionale pour asseoir l'autre credo de la société juste, la répartition plus équitable de la richesse à travers le Canada. Il confiera ce ministère à son ami Jean Marchand. Sur le front québécois, le climat se détériore. Les bombes sautent à la Bourse de Montréal, au Club de réforme, puis à la résidence du maire Jean Drapeau. On ne laissera pas diviser ce pays, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, puis on ne permettra pas que des gouvernements étrangers viennent nous expliquer à nous ce que c'est que la Constitution du Canada. En plus de faire des victimes et de causer des dégâts importants, cette vague de violence sème la panique. Au total, 64 bombes explosent pendant cette période. On sait que ce pays doit durer. Et on sait que c'est nous, le gouvernement fédéral, qui doit parler au nom de tous les Canadiens. Lorsqu'une autre bombe du FLQ explose au ministère de la Défense à Ottawa et fait un mort, Pierre Trudeau s'en remet à sa stratégie gagnante, ne pas plier. Ça a fait durer les folies depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini les folies. Just watch me. Octobre 1970. Un diplomate britannique, James Richard Cross, est enlevé à Montréal. Un ministre du gouvernement québécois, Pierre Laporte, sera assassiné lors de la plus grave crise politique qu'ait connue le Canada. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Après avoir examiné la situation, et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 heures ce matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des perquisitions ou à des arrestations, de détenir des suspects sans avoir à porter immédiatement contre eux des accusations précises, et de recourir à la détention sans cautionnement. Ce sont là de très amples pouvoirs qui
qui ne me sourit pas plus qu'à vous. Nous faisons tout ce qui doit être fait. Tous les niveaux de gouvernement au pays sont prêts à agir dans l'intérêt du salut public. Tout au long de la crise, Trudeau ne cédera rien aux ravisseurs, membres du Front de libération du Québec. La crise d'octobre aura scellé le plus grand paradoxe de Pierre Trudeau. La loi des mesures de guerre a été imposée sans preuve d'insurrection appréhendée. Pourquoi Pierre Trudeau a-t-il ainsi renoncé à son idéal de respect des droits civils pour une poignée de terroristes, des amateurs, dont le plus grand art était leur capacité de manipuler les médias? C'est dans la consternation et avec un profond bouleversement que les Canadiens ont appris la mort de Pierre Laporte, assassiné lâchement par une bande d'assassins. En vertu de la loi des mesures de guerre, 500 personnes seront arrêtées, 62 accusées formellement, une douzaine seront jugées ou condamnées à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison. La crise aura fondé le mythe Trudeau. Dans l'opinion, il sera l'homme fort qui ne plie jamais. Well, it's a lie because I didn't say anything. Did you mouth it? Did you mouth it? What does mouth mean? Move your lips. Yes, I move my lips. In the words you've been quoted as saying? No. What were you thinking when you moved your lips? What is the nature of your thoughts, gentlemen, when you say fuddle-duddle or something like that? Le 4 mars 1971, le célibataire le plus convoité au Canada convole. Il épouse à Vancouver une enfant fleur, Margaret Sinclair. Elle est 29 ans plus jeune que son mari. À Noël de la même année, naîtra un premier fils, Justin. Le pouvoir Trudeau a maintenant 3 ans. Le premier ministre se révèle un homme discipliné, absorbé et connaissant bien ses dossiers. Un de ses dossiers préférés reste la Constitution et les moyens de la mettre à l'heure du jour. À cet égard, la conférence de Victoria marquera un point tournant. Parvenu à un cheveu d'une entente avec le Québec de Robert Bourassa sur une nouvelle formule d'amendement et un droit de veto constitutionnel, l'accord va s'effondrer quelques jours plus tard, et avec lui, l'espoir de jamais en venir à une entente avec le Québec. À Victoria, on avait la chance de fermer le dossier qui avait été ouvert depuis le début de la Confédération. À Victoria, on avait la chance de dire oui, ben voilà une constitution qui enfin répondra au désir des Canadiens français d'être des citoyens à part entière dans ce pays. D'ailleurs, Pierre Trudeau blâmera Robert Bourassa pour cet échec et lui en voudra pendant longtemps. Quelques années plus tard, il traitera le premier ministre du Québec de « mangeur de hot-dog », insultant du même coup bon nombre de Québécois. Il paraît qu'il mangeait avec des hot-dogs, celui-là, il est en train de faire autre chose. Pendant que Pierre Trudeau s'acharne sur la Constitution, les Canadiens s'inquiètent de la hausse du chômage, de la poussée de l'inflation. Lors d'une tournée dans l'Ouest, les fermiers lui reprochent la mévente de leur blé. « Pourquoi je vendrais votre blé ?» Arrogant, il leur répond qu'il n'a pas à vendre leur blé. Le gouvernement consacre des millions au projet Perspective Jeunesse, à la création de districts bilingues, à l'embauche de francophones dans la fonction publique. Le premier ministre est perçu de plus en plus comme un homme distant et insensible aux difficultés des gens. Les grévistes de La Palme, par exemple, vont goûter à cette arrogance. Mais ils n'auront pas la peau des gars de La Palme. Mais M. Trudeau, il a fait baisser la vitre de son Cadillac, puis il a fait signe avec ses mains, puis il a dit, je m'en excuse l'expression, que moi je respecte les gens qui nous écoutent parler, bien plus que M. Trudeau pour respecter les travailleurs. Il a dit, mangez de la merde. Le 30 octobre 1972, les électeurs se vengent. Les libéraux de Pierre Trudeau encaissent une déconfiture qu'ils ne voyaient pas venir du tout. Quant au résultat, j'en sais pas plus long que vous. Je pense que demain, on sera un peu plus fixé. Les majorités, de quelque côté qu'elles se trouvent, seront certainement minimes. Demain, on verra ce qui adviendra du gouvernement.
La majorité libérale est réduite à 2 sièges aux communes. Au Canada anglais, on attribuera la dégringolade à une réaction contre le bilinguisme et le French Power. Le nouveau gouvernement minoritaire met l'économie en tête de liste de ses priorités. Avec le NPD qui détient la balance du pouvoir, le gouvernement adopte des mesures sociales progressistes, hausse des pensions de vieillesse et des allocations familiales. Très vite dans ce deuxième mandat, la crise du pétrole accapare l'attention. S'ensuit une série de discussions difficiles avec l'Alberta. L'entente qui en résulte, basée sur l'octroi de subventions aux consommateurs et aux pétrolières, coûtera très cher à Ottawa. L'entente démontre aussi que le gouvernement avait mal évalué les réserves de pétrole, ce qui amènera les producteurs de l'Ouest à vouloir faire geler les consommateurs de l'Est du pays. Enfin, cette politique qui voulait unir le pays est devenue un facteur de dissension accrue entre l'Est et l'Ouest. Pierre Trudeau et son petit groupe de conseillers décident que le gouvernement minoritaire a assez duré. Le gouvernement provoque sa propre chute en forçant un vote de confiance sur le budget Turner qui déplaît à l'opposition. La stratégie fonctionne. Pierre Trudeau repart en campagne électorale. Margaret, sa jeune femme qui vient de donner naissance à un deuxième fils, Sacha, devient l'atout de cette campagne. I think I can speak to you of him as a person, as a very loving human being who has taught me in the 3 years that I've been married to him and the few years before I was married to him a lot about loving, which is something incredible. Elle accompagne son mari partout. Le charme opère. D'autant plus que Trudeau fait la lutte à un leader conservateur terne, sans charisme et mauvais orateur, Robert Stanfield. Connaissez-vous le dernier trouvaille de M. Trudeau? Il a déclaré qu'il ne voyait aucune raison valable pour chercher à stimuler l'économie de notre pays. L'unique enjeu de cette élection sera le contrôle des prix et des salaires, réclamé férocement par Stanfield et ridiculisé par Trudeau. Ah, il va geler les prix. Non. Les prix sont bons, on va les geler. Les salaires, on va les geler aussi. Imaginez-vous pas qu'avec le gel des prix et des salaires, vous allez pouvoir avoir des augmentations que vous espérez. C'est un gel. Bon, 90 jours, il a dit. Ensuite, il a trouvé que ça collait mal, il a parlé de 60 jours. Ensuite, il a dit, ben, quelque chose par là, hein, 60, 90 jours. En tout cas, on va geler ça. Et après ça, on va contrôler ça. Le 8 juillet 1974, Pierre Trudeau retrouve sa majorité parlementaire. Je suis fier d'être Québécois, mais je suis fier d'appartenir à la nation canadienne, une nation d'hommes et de femmes vaillants, courageux, qui savent le bien, tout le bien que je pense de ce pays, qui savent que c'est un pays où tous peuvent s'épanouir en toute liberté. Cette vitalité, cette générosité que j'ai rencontrée du début jusqu'à la fin de la campagne. L'enjeu qui lui a fait gagner cette élection reviendra le hanter. Moins d'un an après la victoire, il adopte précisément le programme qu'il a combattu et impose un gel des prix et des salaires. Le gouvernement du Canada demandera au Parlement l'autorisation d'imposer des restrictions rigoureuses à la hausse des prix et des revenus. Ce programme de restriction est le plus sévère qu'on ait prescrit aux Canadiens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce faisant, il perdra auprès des Canadiens une crédibilité qu'il ne retrouvera jamais. D'autant plus que l'inflation continue de grimper, les grèves de se multiplier et le chômage atteindra le niveau record de 7 %. Ce que les Canadiens continuent d'admirer chez Pierre Trudeau, c'est sa présence sur la scène internationale. Depuis son arrivée en politique, il a multiplié les occasions de rencontres internationales où il fait de la présence du Canada une priorité. Au début de son premier mandat, il place les relations canado-américaines sur une trajectoire différente, d'où le besoin de diversifier les relations du Canada.
Living next to you is in some ways like sleeping with an elephant. Pour ce faire, il préconise de tisser des liens plus importants avec l'Europe et l'Asie, ce qui deviendra l'option de la troisième voie. Il sera le premier leader occidental à s'ouvrir à la Chine dès le début des années 70. Au cours des années, il forgera des amitiés célèbres avec Fidel Castro de Cuba, par exemple, et d'autres leaders du tiers-monde. Question de développer un axe nord-sud qui fasse contrepoids à l'axe politique est-ouest. Son objectif, faire du Canada une puissance moyenne crédible. Éternel voyageur, Pierre Trudeau prend plaisir à son rôle international. Il est particulièrement à l'aise sur la scène du monde. Avec les années, il se forgera une réputation de sage, de philosophe du pouvoir, que viennent consulter les autres leaders du monde. Il sera le premier à amener le Canada au club select du G7, grâce à la complicité de Henry Kissinger. En 1976, les choses tournent mal pour le gouvernement Trudeau. La crise des gens de l'air éclate. Ah, il faut être raisonnable, que diable. Les pilotes du Québec revendiquent le droit aux Français dans l'espace aérien québécois. La crise et le compromis arrêté pour en sortir provoquent le départ du ministre des Transports, un ami fidèle de Pierre Trudeau, Jean Marchand. Alors, comme moi, je ne suis pas d'accord avec cette entente-là, je ne peux pas rester dans le cabinet parce que je veux avoir la liberté d'en parler. Au même moment, Pierre Trudeau se fait dire que ce en quoi il croyait le plus, sa politique du bilinguisme institutionnel, est un échec. Le 15 novembre 1976, le gouvernement indépendantiste de René Lévesque est élu au Québec. Ce qu'il a combattu tout au long de sa carrière politique se produit précisément sous sa garde. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. En politicien habile, Pierre Trudeau saura transformer ce revers cuisant en une nouvelle occasion de se présenter plus que jamais comme le sauveur du Canada. La victoire du Parti québécois ne permet plus de repousser ces questions d'une génération. Et dans ce sens, la crise est immédiate. Le défi est présent. Un gouvernement péquiste dont l'objectif précis, c'est de briser le Canada, c'est de séparer le Québec du reste du pays. Vous êtes étonné que je considère ça comme un ennemi? C'est vraiment, moi, je suis entré en politique pour précisément que le Canada soit fort, et en particulier pour que les francophones québécois puissent avoir leur place dans ce Canada. Dans sa vie personnelle, ça ne tourne pas rond non plus. En 77, il se sépare de sa femme Margaret, après 6 ans de mariage et 3 enfants. Une séparation fracassante. Margaret expose publiquement les secrets de sa vie de couple. Question de profiter de la notoriété de son mari. Au contraire, Pierre Trudeau demeure très discret sur cet épisode de sa vie. Il obtient la garde de ses 3 enfants. Margaret aura fait de cet intellectuel austère un homme des temps nouveaux, un père célibataire. Pierre Trudeau a toujours nié que ces événements de sa vie privée aient eu un impact sur son gouvernement. Il reste que pendant cette période, la crise nationaliste prend de l'ampleur, l'économie s'effondre, le gouvernement fait du surplace. Il s'agit de savoir, au lendemain des élections, quel gouvernement on aura à Ottawa pour faire face aux forces qui nous divisent tant de l'extérieur que de l'intérieur. Malgré ses efforts pour gagner la prochaine élection, le cœur n'y est pas. Le 22 mai 1979, autre coup dur pour Trudeau. Sa première défaite électorale aux mains du conservateur Joe Clark, un illustre inconnu qu'on appelait alors Joe Who. Je reste décidé de former un gouvernement vraiment national, un gouvernement qui peut représenter tous les coins du Canada. Quant à moi, j'ai conscience d'avoir été très honoré, d'avoir été premier ministre de ce grand pays pendant 11 ans. Au sein du Parti libéral, les pressions commencent à se faire sentir pour qu'il parte. Il se sent mal à l'aise dans le rôle de chef de l'opposition.
Le 21 novembre 1979, il annonce sa démission. Il n'y a pas de manière aisée ni de moment idéal pour s'en aller. Il y aura toujours des arguments d'ordre public et privé, aussi bien pour rester que pour partir. À un moment donné, il faut tout simplement choisir ce qu'on estime être sa destinée. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Le gouvernement minoritaire de Joe Clark se comporte en majoritaire pendant 9 mois. Le 13 décembre 1979, le gouvernement est défait en chambre. 139, 139. Nays contre 133, 133. Le présent Parlement est dissous. La date de l'élection est le 18 février 1980. Quelques jours plus tard, sur la recommandation des stratèges libéraux, Pierre Trudeau sort de sa retraite politique et se remet en selle. Étant donné les sérieux problèmes auxquels le Canada est confronté, étant donné aussi la défaite du gouvernement et la nécessité pour notre parti de faire face à une élection, il était de mon devoir d'en assumer de nouveau le leadership. Ce devoir a été plus fort que mon désir de réintégrer la vie privée. Ce sera la dernière campagne électorale de Trudeau. Une certaine lassitude se fait sentir. Les discours n'ont plus la fougue ni la vigueur qu'on en attendait. Le poids des échecs politiques et personnels commence à peser plus lourd. Je veux dire simplement aujourd'hui que nous vivons dans un monde trop complexe, trop mouvant, pour nous lier par des promesses électorales et démagogiques à la façon des conservateurs. À moins d'être devin, personne ne peut prévoir dans le menu détail les gestes précis qu'un gouvernement responsable pourra ou devra accomplir dans les prochaines années. Radio-Canada prévoit l'élection d'un gouvernement libéral, d'un gouvernement majoritaire qui sera dirigé par M. Pierre-Éliott Trudeau, c'est donc dire que le 15e Premier ministre du Canada succède au 16e Premier ministre du Canada. Well, welcome to the 1980s. Le 18 février 1980, Pierre Trudeau est reporté au pouvoir avec une majorité confortable. Le Québec lui donne 74 de ses 75 sièges. Il y a, je pense, une vieille histoire d'amour entre le Parti libéral et le Canada, et je suis content de voir refleurir cette histoire dans un printemps vite annoncé. Entre-temps, le Québec annonce la date du prochain référendum sur l'indépendance. C'est donc mardi, le 20 mai prochain. Pierre Trudeau fera de la lutte à l'indépendance la bataille de sa vie, une lutte à finir. On est Canadien ou bien on ne l'est pas. Eh bien, c'est ça. Où sont-ils, ces chevaliers de l'indépendance, ces preux de la nation québécoise, ces valeureux champions de la séparation, de la souveraineté? On ne brise pas un pays, voyez-vous, sur une ambiguïté. On ne détruit pas un pays comme le Canada. Plus la campagne référendaire avance, moins Pierre Trudeau est satisfait des forces fédéralistes. Il se lance lui-même dans la mêlée à l'occasion de 3 grands discours. Voulez-vous sortir du Canada, oui ou non? Non! Alors la fierté, messieurs, l'honneur, mesdames, le courage, mes chers amis, c'est pas du côté du oui avec leur ambiguïté, avec leurs questions entortillées, avec leur équivoque systématique et volontaire, qu'on trouve le courage, qu'on trouve la fierté. C'est chez nous, c'est ceux qui disent ce pays-là, c'est à nous, nous sommes capables de rester dedans, nous sommes capables de négocier la place du Québec là-dedans. À 5 jours du référendum à l'aréna Paul Sauvé à Montréal, il prononce un discours qui aura un impact déterminant sur le vote du 20 mai.
Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Au soir du référendum, le non avait recueilli 59,6% des voix et le oui, 40,4%. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. Je devrais me réjouir sans réserve des résultats obtenus. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces tenants du oui qui se sont battus avec tant de conviction et qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. Et cela m'enlève le goût de fêter bruyamment la victoire. Pierre Trudeau avait gagné cette épreuve. Un autre chapitre de l'histoire constitutionnelle du Canada allait maintenant s'ouvrir. Dès le lendemain du référendum, Pierre Trudeau annonce qu'il va procéder au rapatriement de la Constitution du Parlement de Londres et la doter d'une charte des droits et libertés. Pour le reste, tout est négociable. C'est le début d'une longue série de conférences fédérales provinciales et d'une difficile saga judiciaire. Le rapatriement n'enlèvera aucun pouvoir aux provinces. Il ne fera qu'enlever un pouvoir au Parlement britannique. Et nous aurons enfin une constitution véritablement nôtre. La résolution propose ensuite que la constitution contienne une charte des droits et des libertés. Le débat traverse l'Atlantique et jette un froid dans les relations du Canada avec la Grande-Bretagne. La raison pourquoi nous n'avons pas voulu donner autant que les provinces demandaient, c'est qu'il y a aussi une communauté plus large à préserver, la communauté canadienne. Je voudrais déposer dans les deux langues officielles un projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada. Puis les tribunaux s'en mêlent. À l'automne de 1981, la Cour suprême décide enfin. Le rapatriement unilatéral est légal, mais il ne sera légitime qu'avec l'appui d'un nombre substantiel de provinces. Retour à la case de départ. Pour réussir, Pierre Trudeau doit aller chercher l'appui des gouvernements provinciaux. Le marchandage reprend de plus belle. Personne ne veut d'une constitution ni d'une charte qui serait né dans la division et l'inconstitutionnalité et par l'opération d'un pouvoir étranger. Une dernière conférence constitutionnelle en novembre 81 scellera finalement le rapatriement de la Constitution sans le Québec. L'histoire retiendra de cette conférence ce qui est devenu une quasi-légende, la nuit des longs couteaux. Qu'est-il vraiment arrivé pour que le Québec se retrouve isolé? En tout cas, une chose est certaine, le grand rêve de Pierre Trudeau est sur le point de se réaliser et ce n'est pas René Lévesque qui va l'empêcher ou même le retarder davantage. C'est dire qu'après 114 ans d'existence, le Canada devient au sens technique, au sens légal, enfin un pays indépendant. Le 17 avril 1982, sous la pluie à Ottawa, la reine Élisabeth signe officiellement la restitution de la Constitution au Canada. Pierre Trudeau avait alors réalisé ce pourquoi il était entré en politique 17 ans plus tôt. Il pouvait maintenant affirmer « mission accomplie ». Or, l'histoire montrera qu'avec les garanties inscrites dans la Charte des droits et libertés, jointes à une formule d'amendement qui permet au Québec de se retirer avec pleine compensation financière de toute entente constitutionnelle touchant la langue et la culture, rien de ce qui fait l'originalité du Québec n'a été sacrifié. Et la réforme constitutionnelle n'est pas terminée.
Dans certains pays, l'angoisse et la colère... En 1978, Pierre Trudeau avait entamé une campagne pour le désarmement lors de son premier et unique discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un discours de paix. Celui que tous les pays, puissants ou faibles, riches ou pauvres, ont le devoir de faire entendre dans la conjoncture présente. Il faudrait être sourd pour demeurer insensible à la clameur qui s'élève de tous les coins du monde contre la course aux armements. Il tentera de raviver sa campagne en faveur d'une paix sans armes nucléaires pendant les derniers mois de son mandat comme Premier ministre. Mais voilà qu'à la même époque, en 1984, l'OTAN décide d'ajouter les missiles cruise à son arsenal nucléaire et demande d'en faire l'essai au-dessus des steppes du nord canadien. Le gouvernement Trudeau se voit forcé d'accepter ces tests qui vont torpiller la crédibilité des grands discours pour la paix. Malgré cela, la mission de paix sera le prétexte à la tournée des adieux internationaux. Dernier tour de piste en Europe de l'Est où le Canada comptait des alliés douteux, comme le tyran Ceausescu. 5 ans plus tard, tous ces régimes tomberont comme un château de cartes appuyé sur le mur de Berlin. Tandis qu'il fait ses adieux politiques, au Canada, il accomplit très peu. D'ailleurs, le but de sa carrière politique est réalisé. Le 29 février 1984, il annonce aux Canadiens qu'il part pour la deuxième fois. Belle journée, vous ne trouvez pas? Une bonne journée pour démissionner, non? Cette fois, ce sera pour de bon. Bien, je vais rester premier ministre jusqu'à la convention. Écrire vos mémoires, peut-être, après? Oui. Le Parti libéral célèbre son départ en grande. Pourtant, Pierre Trudeau laisse derrière lui un parti défait, démantelé. Il n'a prévu aucune relève. En assistant avec vous à cette reconstruction de presque 20 années d'engagement politique, j'ai revécu une certaine jeunesse. La mienne, et j'ai revécu aussi la jeunesse de tout un pays. Je me suis surpris à mâchonner ces beaux vers de ma bohème. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Juste avant de partir, il procède à une série de nominations partisanes qui embarrassera son successeur John Turner et ouvrira la porte à plusieurs années de pouvoir conservateur. L'homme reviendra hanter la mémoire des Canadiens lors des choix. Accord du lac Meech, référendum de Charlottetown. Il n'y en a que pour les provinces et pour les autochtones. Rien pour vous, rien pour le Canada. Vous pourrez toujours vous rhabiller pour ce qui est de la, du marché commun. Dans les deux cas, ces interventions virulentes contre les projets pan-canadiens auront un impact sur la défaite des deux projets constitutionnels. L'homme a laissé sa marque. Il incarnait à lui seul la dualité du Canada. Perçu comme un Anglais par les Québécois francophones et comme trop français par les Anglo-Canadiens. Pierre Trudeau, plus que tout autre premier ministre du Canada, fut l'homme d'un rêve. Pour cela, ses détracteurs, aussi bien que ses admirateurs, ne l'oublieront pas. Il a fait l'histoire et maintenant, il est entré dans l'histoire pour ne jamais nous quitter. Mon plus grand échec, mon Dieu, je pense que j'en ai pas eu.
Eh bien, en terminant, voici quelques événements des prochains jours. Demain à 19h30 sur RDI, French Kiss, une émission sur une génération marquée par le rêve de Trudeau. Samedi de midi à 23h et dimanche de 10h à 23h, la dépouille de Pierre Trudeau sera exposée en Chapelle Ardente à Ottawa. Lundi à 14h jusqu'à 23h, ce sera en Chapelle Ardente à Montréal. Et mardi, bien sûr, à 11h, les funérailles nationales à la Basilique Notre-Dame qui seront retransmises en direct sur nos ondes. C'est ce qui termine cette émission spéciale de Maisonneuve à l'écoute. Nous allons poursuivre dans quelques secondes avec le téléjournal de Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine, probablement mardi prochain. Au revoir, passez une très bonne soirée, un bon week-end. Entrant dans la maison après avoir travaillé dans son jardin, le juge Robert Vance aperçut le colis sur la table où son épouse était en train d'emballer des cadeaux. Croyant qu'il s'agissait de magazines dont il attendait la livraison, il coupa la ficelle et ouvrit la boîte. Il fut tué sur le coup. Lorsque les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, ils s'occupèrent immédiatement de Helen Vance, qui se trouvait à proximité au moment de l'explosion. Elle avait temporairement perdu l'ouïe à cause de la détonation et le choc l'avait rendue muette. Des spécialistes furent dépêchés sur la scène. Ils recueillirent des clous qui s'étaient logés dans les murs et au plafond, des éclats de tuyaux d'acier ainsi que les restes du colis meurtrier. L'explosion avait projeté des éclats à 5800 km à l'heure. Chaque fragment fut identifié et consigné. Seul un travail très méticuleux permettrait aux enquêteurs de mettre la main sur le tueur qui frappait à distance. Et ce tueur ne s'arrêta pas là. À Atlanta, à 250 km de Birmingham, et seulement deux jours après le meurtre du juge Vance, un autre colis fut livré à la cour d'appel de district numéro 11. Il était adressé au bureau de l'administration. Une radiographie de routine révéla la présence d'une bombe tuyau. Saisis de panique, les agents de sécurité laissèrent tomber le colis par terre. Les autorités firent évacuer l'édifice immédiatement et alertèrent l'escouade antibombe. La bombe du colis d'Atlanta ressemblait en tout point à celle reçue par le juge Vance à Birmingham. Bien que cette dernière ait été conçue pour n'exploser qu'à l'ouverture du paquet, les spécialistes devaient faire preuve de... Je dis bonne chance qu'ils soient repérés avant aussi. Oh, je suis tellement fatiguée. Je sais plus comment je vais pour tenir. Oh, j'ai peur. Louise. Louise, il faut que tu t'accroches. Accroche-toi pour Sophie. Un coup de sauve-porte. Vous allez me la retrouver, hein? Et alors, à défaut de ça, on plante la fourchette comme ça et on dit bon appétit. Nous, on va aller faire le tour du marché et on revient te chercher sur ta terre. Qu'est-ce qui fait que tu
a décidé tout à coup. Parce qu'il faut quand même... In-home trial. Call now. Or paint, or maybe just sketch and doodle. Well, if you do, chances are you... Et il savait ce qu'il avait à faire, absolument. Mais il ne surestimait pas ses propres connaissances. Et parfois, on a l'impression que les gens disent ça. Non, pas du tout. Au cabinet, aux réunions du cabinet, il n'anticipait jamais sur les opinions de ses ministres. Il attendait d'abord de les entendre et ensuite il faisait des commentaires. Donc, il manquera aux Canadiens? Oui, définitivement. Il a un rôle dans l'histoire canadienne, sans aucun doute. Je pensais déjà à l'époque qu'il serait reconnu dans l'histoire comme étant un des grands premiers ministres du Canada. Je continue de le croire. Mais il n'était pas comme nous. Monsieur le juge en chef McCacken, quelques mots au sujet de Pierre-Éliott Trudeau. On parle de lui ici, quand on parle de la charte, ses grands legs. Les deux langues sont officielles, le français et l'anglais. 1969, la loi sur les langues officielles. Une des premières grandes réalisations de Pierre-Éliott Trudeau. Un géant parmi des simples mortels. Dans les communautés francophones hors Québec, Pierre Trudeau est perçu comme un sauveur. Sa loi a contribué à éviter l'assimilation. Toutes les causes qui pouvaient faire l'objet d'une revendication ou d'une contestation légale, on pouvait se le permettre de le faire. Et tous les francophones hors Québec qui peuvent aujourd'hui communiquer, qui ont appris le français, l'école d'immersion, ainsi de suite, mais seulement après, malheureusement. Mm-hmm. Et pour ce qui est de l'entourage, parce qu'encore là, tout à l'heure, Lynn et Pierre nous laissaient entendre qu'ils aiment continuer de parler des enfants, ils aiment qu'on leur en parle aussi, et qu'on n'ait pas l'air d'ignorer ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Est-ce que vous aimez que les gens de l'entourage vous parlent encore des personnes chères qui vous ont été enlevées ou... Mais moi, dans les choses que j'ai dit, à un moment donné, il y a passé quelques mois, tu réfléchis beaucoup, tu penses beaucoup, je me suis dit de quelle façon je pourrais perpétuer leur mémoire, de quelle façon les plus de gens possibles pourraient savoir que c'était trois femmes extraordinaires. Alors, je sais ce qu'elles aimaient et j'agis un peu en conséquence. Alors, ma mère était quelqu'un de très... qui voulait que tout le monde s'entende bien et soit heureux ensemble et tout ça. Puis elle me disait souvent, Michel, si tu as des ennemis, essaye de régler ça. Alors, juste avant qu'on ferme sa tombe, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je vais y aller. Elle savait de qui on parlait, et c'était... Et je suis allé. Tu es allé faire la paix avec quelques personnes. C'est ça, pour elle. Ma fille a maintenant un trophée qui est remis par l'Association des baseball mineurs de Montjoly. Elle adorait jouer au baseball, puis elle me disait toujours, papa, je suis pas bonne, mais j'aime ça. Alors... Alors, il y a un trophée qui porte son nom, qui est remis à l'équipe championne d'une catégorie. Et ça va être là à toutes les années. Et, ça. Et pour Martine, c'est sûr que chaque année, le 15 décembre, j'installe une couronne de fleurs à l'endroit où est arrivé l'accident. Chaque fois que j'ai l'occasion de dire à des gens, ben vous savez, quand sur un deux voies, si vous en allez droit, vous êtes supposé être sur la voie de droite. Roulez pas à gauche si vous allez tout droit. Je le dis parce qu'elle en parlait souvent dans la région. Elle appelait ça la gauchette aiguë. Et c'est un problème. Puis c'est ça qui a causé l'accident aussi. Alors, j'en parle le plus souvent possible. Et il faut que ce soit réaménagé, ce coin-là. C'est pas sécuritaire. Alors, en allant porter une couronne, c'est très passif. Là, c'est pas les pancartes, les grosses manifestations, ni rien. Mais c'est juste à chaque 15 décembre, les gens qui ont des décisions à prendre vont passer, vont dire « Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ici que c'est arrivé. » Et on pourrait peut-être faire quelque chose. Mm-hmm. Et pour vous, ce geste-là est plein de sens aussi. Oui. Je vous écoute parler et je me dis, on ne peut pas passer à travers un événement comme ça sans que notre façon de voir la vie, notre façon de vivre soit transformée aussi. On va faire une courte pause et on revient à ça tout de suite après.
Vos vedettes éblouissantes, des designers qui vous en mettent plein la vue. La mode québécoise est à l'honneur. Et il est en ville. À la veille de son spectacle, Patrick Bruel s'offre de petits plaisirs. Où il y a l'événement, il y a 7 jours. Pour une raison étrange. Années 70, se rappelle que Trudeau prenait un malin plaisir à secouer ses voisins du Sud. He did not mind rocking the boat. In fact, he took great pleasure in rocking the boat. Mais malgré sa rhétorique, Trudeau, se souvient-il, n'était pas anti-américain. Il a aidé les États-Unis pendant la crise du pétrole et a mis de l'eau dans son vin en matière de défense. Unquestionably, he raised Canada's stature. Il a été brillant avec un panache, se souvient-on, qui frisait souvent le mépris pour les autres dirigeants mondiaux. Contempt for the views of others and that led him from time to time into trouble. Mais ici, sa principale contribution aura sans doute été d'amener plusieurs Américains à voir le Canada d'un œil différent. Guy Gendron, Radio-Canada, Washington. On ne brise pas un pays, voyez-vous, sur une ambiguïté. Personne ne veut d'une constitution ni d'une charte qui serait née dans la division et l'inconstitutionnalité. Le face-à-face d'une génération. Plus tard au point, Trudeau-Lévesque, les deux visages du Québec. Peu d'hommes auront marqué à ce point l'histoire de la politique canadienne. Au cours des prochains jours, RDI couvre pour vous les événements et les hommages entourant le décès de Pierre-Éliott Trudeau. Le 15 décembre 1998. Alors, c'était beaucoup de remises en question. Alors, c'est ça. Au niveau spirituel, au niveau croyance, tu te remets en question surtout de toute façon. Mais là-dessus aussi, c'est sûr que tu penses à. Tu réfléchis à un nouveau sens à la vie terrestre. Mm-hmm. Pierre, ça a changé votre façon de voir la vie? Donc, moi, c'est. Ça m'a permis d'apprécier la vie. Je pense qu'aujourd'hui. Je trouve que les montagnes sont beaucoup plus belles. Tout est plus beau. Que les enfants sont encore plus beaux qu'avant. Puis, disons que je me rends compte que la vie est précieuse. Puis, pendant qu'on est là sur Terre, je pense qu'il faut en profiter au maximum. Profiter de nos enfants, profiter de tout ce qui nous entoure. Puis, entre les couchers de soleil ou les levées de soleil, puis les matins où je vais courir sur le bord de la ville de la baie. Sur le bord de la baie, c'est extrêmement beau. J'apprécie ça encore beaucoup plus. Puis ça m'a fait apprécier toutes les choses qui m'entouraient. C'est un peu ça qui a changé. Puis ça me fait vivre, je pense, avant je vivais peut-être à 100 000 à l'heure. Maintenant, je pense que je vis à 120 000 à l'heure. Je pense que si un jour je décède à 50, vous pourrez dire qu'il a vécu 100 ans pendant ces 50 années. Parce que je veux tout voir, je veux apprécier tout ce que la vie peut nous donner. Là. Parce que je sais qu'on peut la perdre à tout moment. Mm-hmm. Lynn? Ça a changé aussi votre façon de voir la vie et oui. D'être dans la vie? C'est un peu comme Pierre disait, puis moi, je me suis mis au jour le jour. Je prends ça au jour le jour, puis toutes les grosses montagnes sont devenues des petites montagnes, des grosses affaires, des gros problèmes. Là, Pierre a perdu son emploi, mais c'est rien. C'est rien à comparer à perdre un enfant. Là. Ça va être facile pour nous de se rééquilibrer malgré ce qui nous arrive encore, là. À comparer à la perte des deux enfants, là, on va s'en sortir très facilement. Là. Dans les périodes difficiles, ouais. Vous comptez sur quoi, vous, ou sur qui? Ben moi, c'est ça, je pense à mes deux enfants, puis ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Là. Je pense à tous les moments difficiles qu'on a passés, puis... les moments à Sainte-Justine, la dernière journée, tous ces moments-là font que toutes les autres qui s'en viennent, qui sont supposément plus difficiles, vont se passer facilement. Mm-hmm. Michel, est-ce que vous continuez de leur parler beaucoup oui. À ces trois femmes-là? Oui, oui. Ma mère est enterrée à Saint-Noël, mais j'ai les cendres de Martine et de Jenny avec moi à la maison. Et il y a les photos sur les murs et souvent, je vais leur parler. Avant qu'on parte,
pratiquement tous les jours. Puis avant qu'on parte pour la Coupe Memorial, on faisait un petit quelque chose de spécial aussi. Les filles, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour ça, mais vous les aimiez, les gars aussi. Alors, puis finalement, ben, on a gagné, mais je ne sais pas si c'est un rapport ou tout ça, mais oui, tu leur parles, ça te fait du bien. Dans votre maison à vous, il y a les cendres. Oui. Et oui, vous allez les garder longtemps. Oui. Toujours. Toujours. J'ai promis à Jenny que je le ferais. Et elle est dans la même urne que sa mère. Et ils sont ensemble, ils sont avec moi. Oui. Un mot d'espoir pour des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, maintenant? Ben, je pense que il faut s'ouvrir. Il faut pas se refermer. L'espoir, c'est de recevoir suffisamment d'aide. Seul, je pense que c'est extrêmement difficile de passer à travers quelque chose de ce genre-là. Il faut s'ouvrir et accepter que les gens autour de nous, qui nous aiment, nous aident. Accepter leur aide et en profiter le plus possible. Merci beaucoup à vous et à vous aussi, à nos invités, d'avoir partagé ces moments-là et les réflexions aussi qu'elles ont amenées chez vous à la suite des événements. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre émission. Une mère tente d'innocenter son fils qui a avoué sous hypnose être le meurtrier d'une jeune fille. Mémoire truquée, c'est une histoire vraie. En primeur ce soir, 20h. Après la pause, Piment fort. De vue. Moi, j'aime ça, l'argent. Les bons placements, les bonnes occasions. Couvre pour vous les événements et les hommages entourant le décès de Pierre-Éliott Trudeau. 1208, 1209. Chaque semaine, Superstructure vous fait découvrir la vision de ces bâtisseurs hors du commun. Visitez les constructions, ce sont les merveilles du monde moderne. Superstructure, mardi 20h à Canal D. La recherche d'indices mena les détectives à aller voir les détaillants qui vendaient les amorces utilisées dans les bombes. Ils se rendirent chez un détaillant d'armes du nom de Shooting Iron à Griffin. You mean that bored out number with the aluminum heads? Yeah, we're talking 525 pounds of torque behind 490 horses. 525 pounds? Yeah, of torque. I ain't lying. Great conversations start with Tostitos. Well, that's why he's the king of the high bank short track. Dear friends, we have come together in the presence of God to witness the marriage of Josh and Samantha and to rejoice with them. Josh, will you give yourself to Samantha to be your husband, to love her, comfort her, honor and protect her, so long as you both shall live? I will. Samantha, will you give yourself to Josh to be his wife, to love him, comfort him, honor and protect him, so long as you both shall live? Okay. We'll take good care. Lasha says she'll be in and out to talk to you. Okay. Oh, I'm sorry, honey. You know where to go for the... Okay. Lasha? You okay? This heart is about three times the size that we would want it to be for a child like this. Le transporteur régionnaire sous la protection de la loi sur les faillites. Bonsoir, bienvenue à LCN. Il y aura des funérailles mardi à 11h en la basilique Notre-Dame de Montréal. La dépouille de M. Trudeau sera d'abord transportée au Parlement d'Ottawa, où son ex-femme, Margaret Sinclair, ses deux fils, de même que d'anciens premiers ministres du Canada, l'attendront. La dépouille de M. Trudeau sera exposée en chapelle ardente en fin de semaine. Le Parlement sera ouvert au public de midi à 23h demain et de 10h à 23h dimanche. Lundi, la dépouille sera rapatriée en train à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, où elle sera exposée de 14h à 23h.
Et puis, le gouvernement fédéral a ouvert un registre de condoléances virtuelles sur Internet. Un site spécialement dédié à l'ex-premier ministre a été créé aujourd'hui. On y retrouve une biographie de Pierre-Éliott Trudeau, ainsi qu'un espace réservé pour l'envoi de messages de condoléances. Jusqu'ici, des gens des quatre coins du pays ont fait parvenir un mot de sympathie. On peut atteindre ce site Internet à l'adresse trudeau.gc.ca. Aux communes, lors d'une séance spéciale, tous les chefs de parti ont rendu un hommage à Pierre Trudeau, qui a dirigé, il faut le dire, les destinées du pays durant près de 16 ans. Lina Dib fait le point. Sur la colline, au lendemain du décès, encore quelques larmes et beaucoup plus de roses. Des roses rouges à la boutonnière de tous les députés libéraux, de quelques députés de l'opposition aussi. Des roses dans les couloirs qu'il a fréquentés pendant 19 ans et où il a laissé toute une marque. Pierre Trudeau compte parmi les architectes de la Révolution tranquille et du Québec moderne. Il rêvait aussi d'un Canada moderne et il a su donner vie à son rêve. Si le premier ministre fait un éloge sans retenue de son prédécesseur et ami, d'autres font plus de nuances. La chef néo-démocrate se demande sur lesquels de ses gestes l'histoire le jugera. La Charte des droits et des libertés. La loi sur les mesures de guerre. Plus direct encore, Gilles Duceppe. Adversaire aussi, parce qu'il a été le champion d'une certaine idée du Canada que nous ne pouvions accepter et que nous n'acceptons toujours pas. Et ce n'est pas qu'au Québec que son idée du Canada n'était pas appréciée de tous. Les politiciens de l'Ouest en savent quelque chose, eux qui ont dénoncé sa politique de l'énergie ou sa politique du bilinguisme. Il y a des citoyens et citoyennes qui étaient d'accord et il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas le sujet pour moi aujourd'hui. Si le chef de l'opposition fait preuve de pudeur, le chef conservateur, beaucoup moins. It is ironic, sir, that a prime minister whose mobilizing purpose was the unity of his country. Quelle ironie, dit-il, que le premier ministre qui voulait tant l'unité du pays ait réussi surtout à exacerber les différences. Il était controversé. Lorsque vous êtes en politique, il faut que vous soyez controversé, sinon vous êtes du marshmallow, quoi. Alors, de ce côté-là, il y en a qui ne l'ont pas aimé. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne l'ont pas respecté. Sur la question du respect, c'est vrai, aucune fausse note, aucun bémol entendu dans cette chambre. Lina Dib, TVA, Ottawa. Lucien Bouchard, lui, reconnaît en Pierre-Éliott Trudeau un dirigeant politique d'exception. Son arrivée à Ottawa à la fin des années 60 était d'une bouffée d'air frais, selon les dires de Lucien Bouchard, mais il s'est dissocié de la vision de Trudeau dès le début des années 70. Le premier ministre du Québec a précisé que l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés s'est traduite par une diminution des droits de l'Assemblée nationale. La loi des mesures de guerre en 70 et l'échec de l'accord du Lac-Meech sont aussi considérés comme des périodes sombres pour le Québec, a ajouté Lucien Bouchard, qui refuse toutefois de juger l'ex-premier ministre. Porter un jugement sur une œuvre aussi complexe, aussi dense, ça suppose une démarche d'historien, parce qu'il faut de l'objectivité, il faut du recul. Je me sens pas particulièrement objectif, parce que je suis engagé dans cette action. Je ne suis pas un historien, je n'ai pas le recul de l'histoire, je suis très près des événements, et je pense que dans ce temps-là, il faut s'abstenir d'émettre des jugements à l'emporte-pièce. Devant la résidence de l'ex-premier ministre sur l'avenue des Pins à Montréal, les gens continuent de déposer des fleurs et de poser des gestes de sympathie. Tu étais pénétrant, tu te sentais la seule personne au monde, tu sentais la reine du monde quand tu étais avec lui, parce qu'il portait vraiment une attention spéciale à tout ce que tu disais. Et puis, tu te sentais très importante avec lui. Pour moi, M. Trudeau a représenté une nouvelle génération. Il nous a donné un nouveau chemin pour suivre. M. Trudeau, pour moi, c'était un modèle de la démocratie dans le monde. En tant que Montréalais, en tant que Québécois, en tant que Canadien, je trouve que ça nous touche à trois niveaux, si on veut. C'est quelqu'un qui affectait la vie montréalaise de façon quotidienne. Quelqu'un qui était controversé au Québec et quelqu'un qui a défendu, qui a représenté le Canada pendant plusieurs années.
Dans les autres nouvelles maintenant, la compagnie aérienne Régionaire s'est placée sous la loi de la protection sur la faillite. Les activités du transporteur ne sont pas interrompues, mais la compagnie devra vite trouver de nouveaux partenaires. Dire que dans l'imaginaire de Fortin, l'île Sainte-Hélène est devenue comme la grande jatte qu'on avait dans ce rang. D'ailleurs, dès que cette filiation entre les deux tableaux est aperçue, on voit qu'il y a plus que simplement l'empreinte du titre, parce que dans les feuillages, en particulier dans le tableau de Fortin, on retrouve un peu un traitement qui fait penser un peu à ce rat, c'est-à-dire un traitement pointilliste, et également, je dirais que dans son tableau, le goût de Fortin pour des volumes géométriques très complets pourrait s'expliquer aussi par cette référence à ce rat. D'ailleurs, ce tableau de ce rat, il est conservé au Art Institute de Chicago, et c'est un des tableaux que Fortin a pu voir en allant dans cette ville. Special someone, all of those kinds of things. And so we need to be able to learn how to identify that. And the second thing that we've learned to do is to reframe the experience. So when I look at my boarding school experience, which was not very nice, I for about 20 years. Alors, la comme ça. Alors, elle se garde très, très fraîche. Comme il arrive ça. Que vous voyez de la muscade illustrée avec un petit filet rouge. C'est de la muscade déjà pulvérisée parce que ça perd son parfum immédiatement. Alors voilà, la purée est faite. Parler de ce qu'on aurait pu mettre dans la purée, là, on a pour une heure et demie. Alors, on aurait pu mettre les gousses d'ail en faisant bouillir les pommes de terre, les oignons, une branche de romarin qu'on aurait retirée. Et sinon, si elle n'est pas parfumée pendant qu'elle bout, on aurait pu le parfumer après avec tout ce que vous voulez. La moutarde, le réfort, les herbes, et ça, vous essayez. Par contre, avant qu'on ne soit inondé de téléphones qui disent « Monsieur Pinard, je viens de remarquer nous avons pris un truc en métal, alors qu'il s'agit d'une casserole qui est recouverte d'une protection antiadhésive ». Il y en a de nouvelles. À chaque année, ce genre de produit s'améliore. À chaque année, il y en a qui ont remarqué que je change souvent de casserole. C'est justement pour les tester. Celle-ci s'appelle Titanium Strauss. Je ne sais pas si c'est allemand ou américain. Je n'ai pas regardé avec soin. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que celui qui me les a recommandés m'a dit, écoute, Pinard, hésite pas, prends ton couteau, coupe dedans, tu verras que ça ne s'abîme pas. La raison pour laquelle ça ne s'abîme pas, c'est que c'est une casserole d'aluminium qui est recouverte de titanium, qui est un métal extrêmement résistant. Et sur ce métal, il y a la couche antiadhésive. C'est à ce point solide que ça résiste, comme vous pouvez le voir. Ça fait 6 mois que je m'en sers et c'est parfaitement. On jurait qu'elle est neuve. Bon, en tout cas, c'est pas une blague. Comme d'habitude, je vous soulignerai que nous ne sommes pas payés pour parler de produits. Voilà. Bon, alors, plus crémeuse, mais... cette purée, je ne vous cacherai rien pour vous dire que José en profite pour parler de sa recette favorite de saumon qu'elle fait au four. Alors, voilà. Alors, c'est pour faire 2 plats en un. Si, par exemple, je ferais cuire les morceaux de saumon au four dans un premier temps et plus de pommes de terre et plus de saumon. Et comme ça, le lendemain, je pourrais faire la croquette de poisson servie sur une salade. Alors, mais là, c'est ça, la vendue, le punch. Commence donc par faire le saumon. Je fais le saumon. Mais là, ça fait que c'est à peu près 20 minutes qu'on parle de croquettes. Trouve pas que le punch est dedans. Là, tu l'as badigeonné d'huile? Oui, aussi un petit peu d'huile. Et là, un petit filet de riz. Voilà. Tu passes tes petits doigts fins dessus, donc pas besoin de vaporisateur, pas dans ce cas-là. Ensuite, poivre blanc. Ou noir. Ou noir. J'utilise aussi beaucoup la poudre de. Enfin, au goût. Poudre de chili, herbe, ce que vous voulez. Un petit peu de sel quand même. Et je vais le déposer au four à 425 pendant 10 minutes. Et la cuisson devrait être impeccable, c'est-à-dire, elle ne sera pas d'un bout à l'autre. Et quand on va le sortir, vous le laissez reposer quand même quelques minutes et ça fera déjà un premier plat avec la purée de pommes de terre. Pour que la chaleur se distribue. Donc, le four, je vous le répète, 450, 10 minutes, ça pourrait être 412 minutes, ça pourrait être 425, 11 minutes écart. L'important, c'est que vous le regardez. Quand il résiste à la fourchette, que vous appuyez dessus, c'est qu'il est cuit, tout simplement. Et si vous l'aimez comme je l'aime, légèrement cru à l'intérieur, 5 minutes suffira amplement. Allez-y un petit peu moins si vous le voulez vraiment. Alors, 10 minutes. Et bon, alors une fois qu'on aura mangé le... Bon, je ferai l'assiette tantôt. Là, on va revenir. Tantôt, je ferai l'assiette de saumon. Mais alors voilà, il reste un peu de saumon, il reste un peu de purée. Ah, ben ça, j'en ai préparé, je ne savais pas combien tu en voulais. Alors, le saumon ou un autre poisson, là, on travaille avec le poisson. Tu vois, la cuisson est bonne, c'est...
Ah oui, il est parfait. Tu vois, au cœur, là. Oui, il encore, est Alors, le poisson qu'on aura utilisé, là, peu importe, là, j'ai pris saumon. Ensuite, on va y ajouter la purée et on va y ajouter aussi un parfum. Alors, la proportion, c'est comme vous voulez. Si vous aimez plus de pommes de terre, vous en mettez plus, mais c'est à peu près un pour un. C'est-à-dire à l'œil ou plus de poisson et moins de purée. Et si vous n'aimez pas le poisson, comme notre réalisateur, ben vous en mettez pas. C'est pas des purée de pommes de terre. Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a le poisson, on ajoute la purée. Une purée qui est quand même assez ferme. Ah, tout ça sera bien sûr froid, parce que travailler tout ça chaud, c'est un petit peu plus difficile après à façonner. Alors, est-ce que je te laisse brasser ça, puis je vais mettre les trucs là? Moi, je le ferai avec mes doigts, ça hurlera pas dans les chaumières. Ben écoute, fais-le, puis tu verras bien si ça hurle. Voilà. Le bon Dieu nous a donné des mains, c'est pour s'en servir. OK. Alors, à ça, je vais ajouter, comme je vous ai dit, vous ajoutez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien qu'elle soit un peu piquante. Alors... L'avantage de le faire avec les mains, c'est que vous ne massacrez pas la purée, vous n'en faites pas exploser les cellules. J'en ajoute un peu. Et je vais mettre un peu de curry. Mais ça pourrait être ciboulette, échalote, voilà. Mmh. Hmm? Je ne connais pas ce curry, ah, c'est très bon. Bon, alors, attendez, c'est le Sherwood. Alors, le Sherwood, il est très bon, là, en piquant ou en doux. Là, j'ai pris doux et j'ai ajouté plutôt un peu de piquant, mais ça pourrait être de la cayenne. Voilà. Et là, ensuite, je le fais, ou bien ceux qui ne veulent pas le faire dans l'huile, vous pouvez ajouter un œuf à cette préparation-là et après ça, le mettre sur une plaque huilée et le mettre au four pendant 10 minutes, l'huiler de dessus. Mais ça fait... Une petite croquette tranquille. Non, mais il faudra arrêter là, cette inquiétude devant les corps gras. Si vous cuisez à l'huile d'olive, je vous rappelle que c'est un corps gras qui n'est pas du tout mauvais pour la santé, bien au contraire, qui fait même baisser votre taux de cholestérol, s'il y en a parmi vous qui s'inquiète encore. Vous faites frire à l'huile d'olive, c'est bien meilleur qu'au four. José, qui a testé l'autre méthode, me l'a dit. Oui, je préfère... Et voilà. Alors, tu la passes à l'œuf ou pas? Oui, je la passe à l'œuf. Et tu fais des petites... Oui, je fais des... Tu fais des palets ou carrément des boulettes? Je fais des palets. Je fais ce que je peux, mais là, tu vois, c'est un petit peu... Je fais ce que non, mais je fais ce que je peux parce que, effectivement, si la purée est plus ferme ou quand elle est plus ferme, ça se travaille mieux encore. Alors, voilà. Et je laisserai cuire à l'huile. Je vais attendre que l'huile soit plus chaude. Ça, c'est tout simplement de la chapelure. Oui. Faites-la, votre chapelure. J'en reviens jamais quand je vais au supermarché de voir que les gens achètent encore ça pour 3 fois le prix, alors que c'est si facile de faire de la purée au robot. Bon, là, j'ai un peu trop joué avec, là. José me regarde en se disant... Non, non, je regardais pas ça. Je me demandais si l'huile, si ça allait. Ah bon? Ce four merveilleux vient de nous dire qu'il est chaud. On est à combien de minutes pour le poisson? Alors, bon, que l'huile soit plus chaude, on serait heureux. Est-ce qu'il est au... Il est au max, ça va? Il est au max, ça va? OK. Oui. Je vais faire quelques-unes pour faire une assiette. Et... Répétons donc, vous pourriez... Ça, c'est du saumon des pommes de terre. Ça aurait pu être une autre sorte de poisson. Ça pourrait aussi être une variation sur la pomme de terre. Tu aurais pu le faire avec des patates sucrées. Effectivement. Tu pourrais ajouter... Je sais que tu fais souvent des purées avec du chou-fleur ou avec d'autres... Ça aurait pu être ça aussi. C'est juste un petit peu moins... Alors voilà, je travaillais avec trois. C'est une façon fort agréable de le cuire. C'est très, très simple. Il est très beau, effectivement. Il est, rappelez-vous, sur un papier anti-adhésif, donc c'est plus simple à nettoyer ensuite. Et là, tu veux que je le... Oui, on va je dresser une assiette. Alors, comme repas, il y aura un morceau de saumon. Tiens, une seule, ça va aller. Avec de la purée de pommes de terre. Elle est belle. Attends, on peut y aller généreusement, merci. Et vous ajoutez à ça, j'ai une petite huile ici, ciboulette à passer au mélangeur avec sel et huile. Alors, on peut ajouter un petit peu
Ben, qui n'est pas une sauce, ça en fait, mais pesto. Ça pourrait être du pesto, ça pourrait être tout simplement des quartiers de lime et ou de citron. Une petite branche ici, puis l'assiette, elle est prête. Voilà. Alors, pour une assiette rapidement, qu'on fait vraiment rapidement et qu'on place au four. Maintenant, vous avez une petite sauce ici qui que je prends pour les croquettes, peut-être, ah bon? Que j'utiliserais. Ah bon? Alors là, on revient aux croquettes qui sont le lendemain de la veille. Alors, c'est très, très simple. Tiens, je... Voilà. Alors, les croquettes qui sont le lendemain de la veille exactement. Alors, j'en utiliserai deux que je vais déposer sur un papier. Comme je te disais, moi, j'utilise les... je mange tout ça avec les salades. Ça. Alors, une petite laitue de... Un petit mesclun. Un mesclun, parce que vous voulez. Là, ça pourrait même être du chou. C'est délicieux avec, avec des choux de Savoie. Et j'ajoute les croquettes de poisson. Et si on veut, si on voulait, un petit peu de cette sauce poivron rouge, qui en fait, c'est des poivrons rouges pelés qui ont été passés avec de l'huile, du sel. Et ça fait une émulsion, c'est que lui donne cette petite couleur rose, c'est l'émulsion. C'est alors, magnifique. Voilà. Un petit quartier de lime, ou si vous n'avez pas de petite sauce comme ça, une sauce type tartare ou une mayonnaise serait absolument délicieux aussi. Alors voilà, deux plats en un. On aura fait cuire plus de poissons et plus de pommes de terre, et après ça, on aura la salade avec les croquettes. On se demande lequel est le meilleur. Les deux. Penses-tu qu'on va avoir le temps de faire les frites? On va trouver le temps de faire les frites. Au retour de pause, peut-être. Pour les fruits et légumes, exigez la fraîcheur. Exigez art. IGA. Moi, j'aime ça, l'argent. Les bons placements, les bonnes occasions. Je connais ça. Mais savoir se servir des bons trucs, ça, c'est intelligent. Évidemment, je suis un gars honnête. Je paye mes impôts comme tout le monde.